Salut tout le monde Comment ça va Je vois qu'il y a déjà du monde, c'est super Salut euh, Gegege nos donc anciennement Canon euh, Vega, merci d'être au rendez-vous, je sais que tu es souvent là, c'est très gentil de ta part, et alors il va falloir, je me rappelle maintenant que c'est toi et que tu as changé de pseudo. Salut Tatsuya, bienvenue à toi, et euh, Begita, eh bien, écoute, il n'y a pas de souci pour le, pour le replay, merci d'être passé en tout cas, euh, laissez un petit message. Et salut à toi, Matojora. Ah, il y a Boris aussi. Il y a aussi euh, J. Primus. Salut tout le monde. Ça fait plaisir d'avoir du monde à chaque fois. Donc merci énormément d'être fidèle au poste. Euh, donc voilà, on va attendre un petit peu que, que tout le monde arrive. Quelques minutes. Comme ça, on va, on va pouvoir démarrer d'ici euh, voilà, quelques minutes. Et on, on va refaire un peu les, les points habituels de du programme de, du live, euh, c'est-à-dire on va refaire un petit point sur la chaîne de quest ce qui s'est passé le mois dernier, euh, pour un petit rappel, euh, on va parler, on va répondre aux questions qui ont été posées. Euh, cette fois j'en ai un petit peu moins que d'habitude, donc du coup euh, on va pouvoir prendre un peu plus le temps, et après là j'ai une tonne de mangas à vous parler, puisque j'ai pas mal acheté et j'ai pas mal lu, et surtout j'ai lu beaucoup de suites de séries, et je me dis bah, c'est l'occasion de parler de la série. Ce qui fait qu'en fait, je me suis rajouté une liste assez énorme. Donc la, la partie euh, achat manga, elle va être euh, un peu conséquente. Donc je pense que vers euh, 9h30, on va s'y mettre. Euh, voilà, passer euh, peut-être une petite heure euh, à, à, sur les questions, tout ça. Voilà, on va voir. Histoire de terminer comme d'habitude vers, vers 11h30. Parce qu'après, ça commence à faire un peu tard pour, euh, pour beaucoup. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là, c'est super. Et si vous avez des questions euh, pendant le live, il hein, ne faut pas hésiter. Et euh, comme ça, on, on, pourra, on pourra y répondre euh, tranquillement. C'est l'occasion. Hein, des questions, ça peut être un peu sur tout. Hein, ma collection, sur, sur la chaîne, sur moi, sur n'importe. Il ne faut pas hésiter en tout cas à, à proposer et, et participer. Euh, salut Zeno. Eh bien écoute, pas de soucis. Merci d'être passé en tout cas. Allez, je propose qu'on on fasse un petit point rapide euh, sur la chaîne, histoire de vous montrer euh, qu'est-ce qu'il y a eu euh, ces, ces derniers euh, temps. Toujours en séance de sport. Bon, mais tu, tu mets les écouteurs au pire. Tu, me... <laughs> tu peux toujours suivre le live, le live comme ça. Et courage pour le sport, alors. Euh, alors, un petit point sur la chaîne. Euh, depuis le mois dernier, vous savez qu'il y a eu pas mal de, de, de nouveautés, puisque... Le mois dernier, euh, j'avais pu lancer euh, euh, mon Patreon. Euh, donc, euh, du coup, euh, je ne vais pas vous refaire euh, tout, euh, tout le truc. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans le chat, je vais vous laisser... Hop là. Alors, je vais mettre le lien qui est là. Copier. Je vais vous remettre le lien de mon Linktree. Voilà. Euh, comme ça, là, vous avez tous les liens qui sont dessus. Hein. C'est-à-dire que... Si j'y vais, voilà, ici, vous avez tous les liens euh, derrière. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à, à y aller ou garder ce lien, comme ça, vous avez tout. Euh, donc, euh, sur, le, sur le Patreon, il y a eu pas mal de petites choses, euh, puisque, vous savez, il y a plusieurs formules, etc. Et dans la dernière formule il euh, y a pas mal de contenu exclusif. Et là, ben, en un mois, il y a eu pas mal de, de nouveautés. Donc déjà, il y a eu des sources de Dororo euh, qui ont été partagées. J'avais un bon listing de sources que j'avais bien sûr classé proprement et tout. Et, euh, et après, il y a eu des vidéos. Il euh, y a eu le planning des prochaines vidéos, les vidéos en avance, etc. Mais il euh, y a aussi des vidéos bonus. Donc il y a eu le, le coffret Akatsuka. D'ailleurs, euh, sur euh, YouTube, je vous mets euh, des extraits. Hop, la vidéo. Euh, toc, toc, toc. Voilà, c'était cette vidéo là où je vous mets des extraits du contenu de, de, de la vidéo. Et euh, il y en avait une deuxième, donc elle durait ça a duré 26 minutes. Et une deuxième d'une heure 45 où je fais des commentaires vidéo sur euh, Dororo en rajoutant pas mal d'éléments. Euh, donc voilà, en revisionnant les vidéos avec vous, etc. Donc ça, c'était la partie... Euh, euh, Patreon. Mais après sur la chaîne, il y a eu pas mal de choses, donc il y a eu pas mal de petits shorts, ça c'est sûr. Mais euh, il y a eu donc une vidéo sur les mangas euh, que j'ai appelé les mangas hyper malaisants. Alors il faut savoir que là, euh, vous avez une version euh, censurée pour YouTube. j'étais, Je n'avais pas le choix. Euh, sinon, j'étais obligé de de, de, la bloquer. Donc euh, voilà, et dedans, vous avez en fait pas 7 en vérité, mais 8, parce qu'il y a un bonus. Et euh, voilà, donc j'ai dû, comme je vous dis, hop là, je vais vous montrer parce que j'ai... L'écran. Désolé. Hop là, j'ai dû euh, censurer en fait de ce côté-là, mais euh, voilà, elle est parfaitement regardable, sachant que la version non censurée est disponible bien sûr sur le Patreon, puisque là, je n'avais pas de problème de, euh, de censure. Donc, comme j'ai tout à l'heure, voilà la vidéo euh, Akatsuka et euh, d'ororo où je reviens dessus. Mais surtout, il euh, y a eu un énorme euh, live euh, pendant le mois qui était donc une tier list euh, sur Takahama, Kentakama, une autrice que j'aime beaucoup. Et pendant deux heures et demie, on revient sur, sur toute sa carrière. Alors sachant que euh, j'ai encore trouvé des nouveaux éléments, etc. Donc, mais vous avez quand même l'essentiel euh, là. Et j'ai fait une tier liste. Donc si vous êtes intéressé par l'autrice, n'hésitez ben, pas à la, à la regarder. Euh, C'est super. Euh, voilà, moi ça m'a passionné en tout cas de, de faire toutes ces recherches, euh, etc. Et à la fin, vous avez un classement pour découvrir. Bon, sachant que je prépare aussi une autre vidéo euh, justement dessus pour, pour faire une sorte de petit bilan. Euh, Puisque 2h30, je peux comprendre que ce soit long, mais euh, je vais essayer de faire une autre vidéo. Salut euh, Elidor, et merci pour tes questions. Je pourrai y répondre tout à l'heure. Euh, donc voilà, il donc y a eu ça. Euh, après, en nouveauté, il euh, y a aussi le fait que maintenant, on me l'avait demandé, et euh, maintenant, je passe par BDFuge pour les liens affiliés. Vous savez que vous pouvez aider la chaîne. Euh, pour soutenir la chaîne, en fait, vous pouvez commander vos mangas, ça ne vous coûte pas plus cher, hein, c'est juste que j'ai une petite rétribution par rapport à vos, à vos commandes. Et vous pouvez directement cliquer sur euh, les liens qui sont en description. Si vous passez par BDFuge, qui est une librairie indépendante, donc là on ne passe plus par des grands euh, comme Amazon ou la Fnac, etc. Euh, avec la livraison que vous voyez à, à 10 centimes, hein, donc c'est quasiment comme, comme Amazon. Euh, voilà, vous avez le, le prix classique et. Euh, une livraison pas chère, donc vous pouvez passer par ces liens affiliés qui sont BDFuge, et en fait en, en bas de chaque vidéo vous avez automatiquement tous les liens qui sont associés des, des, des livres qui sont commandables, hein, parce que certains ne sont pas commandables. Euh, donc ne pas hésiter à passer par là, c'est un bon soutien pour, comme dis, pour la chaîne et surtout euh, si vous, vous avez besoin, euh, vous voulez commander d'autres titres qui ne sont pas là-dedans, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message derrière et moi je vous renvoie les liens, euh, les liens associés. Euh, de, de ce côté-là, il n'y a aucun problème, donc voilà, c'est juste à vous de, euh, de, de, de me le communiquer. Je vous fais ça immédiatement. Après, voilà, il y a eu des shorts il y a eu des choses comme ça. Donc voilà, ça, c'est un petit peu l'actualité qu'il y a eu sur la chaîne. Il y a eu pas mal de vidéos, c'est on remonte. J'ai fait pas mal de shorts, il y a eu quand même pas mal d'activités depuis, euh, depuis un mois. Euh, voilà, j'avais essayé un petit peu de booster euh, la chaîne, ça a plutôt bien fonctionné puisque. On, a, on est presque à 1200 abonnés, donc ça c'est cool. Entre les personnes qui ont qu on relayé, euh, les YouTube qui a un petit peu plus recommandé, euh, certaines vidéos qui ont, eu, qui ont bien marché, euh, donc ça c'était euh, une, une très bonne surprise. Et euh, surtout la vidéo que j'avais fait il y a un mois, qui était donc j'arrête d'acheter les rééditions, celle-ci a plutôt bien fonctionné, donc j'étais très content. Euh, voilà, et la prochaine vidéo va arriver euh, pas ce mardi, mais le mardi prochain. Voilà, je l'ai finalisé, mais je temporise un petit peu pour, euh, pour essayer de vous fournir des vidéos régulièrement et pas qu'il y ait un gros blanc de, euh, de un mois. Bien sûr, les Patreons l'auront en avance dès mardi prochain euh, et une semaine avant, comme ça, ils auront le temps de la regarder euh, tranquillement. Euh, voilà, mais en tout cas, j'avance de, de, de mon côté et, euh, et ça, c'est les nouvelles voilà, de la chaîne le live Takahama, le. Les bonus Patreon, le, le, les liens affiliés et euh, la nouvelle vidéo, les mangas malaisants, si vous ne l'avez pas vu. Et les mangas malaisants, c'est tiré de notre podcast Bunko, pour rappel. Euh, J'en ai, ai un qui est inédit là-dedans, mais je n'ai pas tout sélectionné. J'ai vraiment pris les mangas malaisants qui étaient euh, bien à lire. J'ai enlevé ceux qui n'étaient pas, entre guillemets, bien à lire. Donc, j vous avez vraiment le, le meilleur euh, de notre sélection euh, ici. Voilà, avec l'inédit à la fin, et euh, voilà, j'ai eu des bons retours dessus, donc j'étais très content. Et la version non censurée, elle pique. Je, elle pique les yeux quand on les regarde à la suite. Euh, voilà, ça, <laughs> ça fait bizarre, surtout sur un écran, <laughs> un écran géant. Si vous le regardez sur votre télé, euh, c'est pas pareil. C'est pas le même effet que sur, sur le livre. Euh, voilà pour, euh, euh, pour les news de la chaîne. Voilà. Si vous avez euh, d'autres euh, des questions, n'hésitez pas. Euh, Est-ce que je vous propose de, de passer aux, aux questions, si, euh, euh, si ça vous dit. Sauf si vous, vous avez là des questions euh, euh, qui vous viennent à l'esprit, il ne faut pas hésiter à, à communiquer. Alors, je vais déjà euh, commencer par la première, en attendant que vous, vous puissiez. Euh, euh, vous puissiez. Ah. Alors bien sûr. Il y a une question, Boris. Est-ce que tu nous feras un compte rendu d'Angoulême euh, Alors je. Euh, je pense que pendant Angoulême, puisque je vais aller à Angoulême effectivement, le, 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 du 16 là au, au 22, je ne sais plus quand c'est exactement, euh, je ne pense pas faire une vidéo dessus euh, dédiée, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur Angoulême pour euh, expliquer comment c'était, etc. Par contre, je peux tout à fait euh, revenir dessus pendant euh, un live, par exemple, euh, et de vous faire un petit, retour, euh, un petit retour dessus. Puisque le retour à Angoulême, après... À moins que j'arrive à prendre pas mal de vidéos, si je vous fais un, un, une vidéo diapo photo, ça ne va pas être hyper passionnant. Il vaut mieux quand même avoir des, des vidéos. Mais euh, il me faut quand même assez de contenu pour, euh, pour donner une vidéo qui soit, qui soit cool. Mais c'est une bonne idée. Je peux essayer de faire un petit, euh, un petit retour Angoulême euh, pour cette année. J'avais déjà dans l'idée de vous faire des retours Angoulême des précédentes éditions. Donc euh, je voulais plus ou moins les faire dans l'ordre et potentiellement revenir sur celle-là, mais je me dis euh, effectivement c'est peut-être plus intéressant de commencer par celle-là, et ensuite revenir sur la Tezuka, la Matsumoto, la Tsuge, et j'aimerais bien vous refaire des vidéos en vous expliquant un peu ce que j'ai eu sur place. Et soit le format, il faut que je le fasse sous forme de live, parce que c'est plus permissif, et surtout c'est moins... Enfin, c'est moins scripté, entre guillemets. Et c'est euh, voilà, un peu plus intéressant, je pense, sous forme de live. Soit je vous fais des vidéos, et, euh, et là, bon bah à moi de voir un format qui soit assez dynamique pour que ce soit, pour que ce soit intéressant. Donc euh, voilà, je vais, je vais essayer d'y réfléchir. Et voilà. D'ailleurs, le prochain live, j'en profite, je le répéterai tout à l'heure, il ne sera pas donc le deuxième mercredi du mois, il sera donc une semaine après Angoulême. Je l'ai décalé. Et, euh, et je, peux, je peux à la limite faire un petit, euh, un petit débrief Angoulême de... Un petit quart d'heure par exemple histoire de, de, de vous montrer rapidement et pourquoi pas plus tard le faire euh, comment dire le faire euh, plus en détail euh, poser tranquillement euh, et là ça sera plutôt une réaction à chaud je pense pendant le live ça peut être une bonne idée mais je le garde en en tête pour le, le prochain live et bien écoute Boris euh, c'est noté et euh, je vais essayer de prendre quelques vidéos quelques quelques photos au moins quelques photos enfin des photos pour vous montrer parce que les photos c'est facile à partager. Et après, je, peut je vais essayer de faire des, des vidéos. Je ne suis pas trop vlogueur. Hein, donc euh, du coup, euh, c'est un peu nouveau pour moi ça. Mais en tout cas, j'ai hâte d'y être Angoulême. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils ont prévu cette année. Malgré les contraintes, malgré le fait qu'il n'y aura très certainement pas d'invités euh, japonais. Mais bon, c'est mieux que c'est mieux que rien, hein, comme on dit. Donc rien que voir déjà les deux expositions, ça sera déjà super cool. Et puis euh, ça sera, je pense que ça sera un bon moment malgré tout, et ça sera aussi l'occasion de rencontrer euh, pas mal d'entre vous, pour ceux qui viennent à Angoulême. Euh, ça sera l'occasion d'essayer de, d'échanger, de, de se voir, etc. Euh, sûrement, euh, de toute façon, par défaut, j'irai sûrement à manga city quand il y aura, euh, comment dire, quand, quand je n'aurai pas d'activité. Je me dis que c'est là-bas où il y aura le plus de monde à rencontrer euh, sur le manga. Ah, y a Gekai qui pose la question. Est-ce que des vidéos sont prévues sur des héritiers de Tezuka comme Urazawa Alors Urazawa, pas pour l'instant, puisque Urazawa, ça fait un peu partie des auteurs que, qui, qui sont très connus euh, dont tout le monde parle. Et il y a déjà eu des vidéos sur Urasawa qui revient sur sa carrière, qui revient sur plein de choses. Alors ça reste euh, des vidéos souvent qui vont pas, qui restent sur les, les grandes lignes on va dire et qui vont pas en détail euh, de, de la carrière de l'auteur et euh, et je ne sais pas si je ferai, euh, je ferai des vidéos euh, comme ça. Donc en tout cas, Urasawa, pour l'instant, ce n'est pas en tout cas, un auteur qui me donne envie de faire des vidéos dessus, parce qu'il y en a déjà beaucoup et il y a pas mal d'autres choses à explorer. Et après, dans les héritiers, il ben, a... faut, faut arriver, je pense, à sélectionner. Je serais plus chaud pour faire une vidéo sur Ishinomori euh, en tant que rival de Tezuka, que, que les héritiers, parce qu'il y a tellement eu d'influence euh, suite enfin, au manga Tezuka qui on peut vraiment mettre comme héritier hormis les premiers fans comme Yorazawa qui étaient des fans absolus de Tezuka derrière. Donc, euh, donc je pense que si ça se fait, ça serait, ça serait plutôt un peu comme dans le format que j'ai fait pour Kama C'est-à-dire ce format où je, comment dire, je, je, je reviens sur sa carrière et je, je parle un petit peu des œuvres euh, qu'il a, euh, qu a réalisées. Donc voilà. Alors je propose de passer à la première question. Si vous avez d'autres questions, notez-les, je les prendrai juste après. Euh, donc il y avait One Collection, je ne sais pas si tu es là euh, ce soir, et si cette fois je prononce bien ton nom, parce que je me suis fait gronder la dernière fois. Et, euh, et du coup, il a posé une question qui était... Euh, parce que là, j'ai eu trois questions euh, cette fois. Donc, euh, c'était donc est-ce que euh, j'achète des mangas récents Voilà, c'est une question assez simple. Alors, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, si t'es là, je te poserai des petites questions pour avoir plus de, plus de détails. Puisqu'il y a manga récent dans le sens ben, sortie récente. Est-ce que c'est sorti là maintenant en France Ou manga récent, genre ça a été publié très récemment au Japon et ça a été publié. Donc, euh, donc, voilà. Alors, moi de mon côté, j'achète toujours des mangas récents. Je, je le montre hein, de toute façon dans les, dans, les, dans les lives à chaque fois, je vous montre ce que j'ai acheté. Je... Je ne pense pas vous... Non, généralement, il je... n'y a pas de livres où je vous les mets de côté en hein, mode ben, j'ai acheté ça, je ne vous en parle pas. Je vous montre vraiment ma liste. Donc, euh, regard... regardez un petit peu les derniers lives parce que je vous ai montré comme achat. Et, euh, et en fait, des livres qui sortent maintenant, il euh, ben, y, y en a plein. Il euh, y en a plein. Euh, je vais prendre un exemple. Je n'ai pas encore lu, mais j'achète un exemple WOMS, sous les conseils de les conseils de, de Max. Donc j'achète ça par exemple, ça c'est récent. Euh, je peux acheter, alors je sais que ça date un petit peu au Japon, mais je peux acheter du Welcome to Ballroom, des choses comme ça, euh, ou du Don't Call In Mystery par exemple, euh, ou je vais racheter ben, la nouvelle édition de Mermaid Saga. Alors le manga en lui-même il est vieux, mais la nouvelle édition est récente. Donc ça j'en achète. Par contre ça reste toujours dans les catégories que j'aime bien. Donc ça va être, euh, ça va pas être des shonen euh, euh, à la mode. Ça voilà, ça c'est plus trop le genre de lecture que j'ai envie de collectionner. Je veux bien le lire dans, dans, un, dans une offre numérique. Ça, ça me va très bien. Typiquement, je suis très content que Manga.io accueille certains shonen du catalogue, de, de des gros shonen du catalogue de Kana. Je pourrais tout voilà, me poser, en lire quelques-uns sans problème. Voilà, D'ailleurs, ceux qui veulent découvrir Manga.io, il y a un code de parrainage dans, dans la description de mes vidéos. Donc, pareil, n'hésitez pas à l'utiliser si des fois vous voulez découvrir le service. Et donc là, ça me va de, de ce côté-là. Euh, par contre, voilà, n'achèterais je, je, pas du Shen du Machel, des choses comme ça. Pourtant, j'aime beaucoup le lire et il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est dans le truc que je lis qu'en numérique parce que j'ai vraiment plus envie de collectionner ce genre de, euh, ce genre de livre. Quoique, les, de Fujimoto, je trouve qu'il se, il se, il ressort totalement. C'est peut-être pas le bon exemple. Mais euh, voilà, par exemple, il y aura une nouvelle édition de, de, de Naruto, j'achèterai pas, ça c'est sûr. Euh, parce que c'est pas du tout le manga aujourd'hui que j'ai envie d'avoir, les, les séries sont trop longues, très souvent. Et je préfère aujourd'hui des petites séries de quelques volumes seulement. Euh, souvent, dès que ça dépasse les 10 volumes, je commence vraiment à réfléchir si, euh, si je dois l'avoir en physique, en tout cas, et euh, si, euh, si la série vaut le coup d'investir dedans ou pas. Euh, aujourd'hui, je, presque je préfère 10 petits livres, euh, 10 séries différentes qui vont faire découvrir 10 univers différents euh, qu'une grosse série de 10. Mais ça, j'en ai parlé déjà plein de fois dans ma vidéo au niveau de, de, ma, de mon parcours de collectionneur et mes attentes de, mes attentes de, de, de lecture. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Euh, mes habitudes de lecteur manga, voilà, c'était ça. C'était cette vidéo-là pour, pour rappel. Euh, Celle-ci, ici-là. Euh, et donc du coup, ça, par contre, euh, je, je préfère ce format-là. Donc je continue à acheter des mangas récents mais toujours dans des mangas un peu plus de niche toujours chez bah, du Himo, du lézard noir du cornélius etc euh, voilà avec des mangas comme daru euh, par exemple est assez récent je crois tu avais euh, 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 le Montelon selon chan qui était très récent aussi donc voilà moi je, je m'interdis pas hein, je suis pas j'adore euh, j'adore le giga j'adore le vintage euh, j'adore tout ce qui est patrimonial j'adore les mangas alternatifs j'adore tous ces mangas là des trucs euh, qui des fois sont peuvent être très vieux et euh, comme euh, lire des choses très récentes Là dessus, je me, je me limite pas. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, j'avais une autre question euh, qui était, alors, celle-là était un peu, un peu longue cette question. Euh, c'était alors mon top 10 des auteurs. Pourquoi euh, Et il fallait que je choisisse deux meilleurs titres, euh, deux moins, enfin, deux titres moins bons et ne pas parler de Tezuka. Ça, c'était Dorothée françon qui m'a demandé ça. Alors. J'ai fait une petite sélection, sachant que là, tu me demandes de parler de 40 titres, ça pourrait mériter une soirée complète, donc je vais aller euh, un petit peu plus vite. Euh, alors, juste, je vais revenir donc, sur, sur le commentaire de, de Jprimus. Primus. Est-ce que tu te contentes exclusivement sur le manga ou tu t'intéresses aussi à la BD type roman graphique Même si ce terme est décrié. Euh, ok, ben, ben, par exemple, L'Accident de Chasse, je l'ai lu. Euh, je l'ai lu, et alors ça. ça... Je ne savais pas trop ce que je lisais euh, pendant un moment parce que je n'étais pas du tout habitué à ce style graphique, à cette narration, etc. Mais au final, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée euh, par, son, par son exploration euh, visuelle. Et en plus, sachant que c'est aussi tiré d'une histoire vraie. C est, c est un, moi perso, j'aime bien ce genre d'histoire parce que a un peu plus de poids euh, derrière qu'une qu histoire voilà, qui, a été, qui a été inventée. Et, euh, et par exemple la science chasse, j'ai beaucoup aimé donc ça j'en lis mais j'en lis assez peu et euh, pareil je, je ne lis pas en physique je lis qu'en numérique parce que j'ai trop de livres et je ne peux plus collectionner des livres physiques euh, enfin du moins il faut que je fasse vraiment des sélections beaucoup plus drastiques donc euh, voilà donc j'en lis par contre si je devais lire de la BD aujourd'hui clairement c'est plus effectivement je pense dans le roman graphique c'est peut-être plus un, le pan qui m'intéresserait euh, le plus à découvrir donc ça c'est euh, Si on me passe de la BD euh, beaucoup plus euh, grand public, je la lirai, euh, mais peut-être que je l'apprécierai moins sa juste valeur. Euh, je préfère des, des, des livres un petit peu plus intimistes ou un peu plus expérimentaux. J'aime bien des livres qui me font sortir de ma zone de confort. Et l'accident de chasse, euh, pendant un moment, là, je ne savais pas, pas trop. Euh, et à la fin, quand j'ai refermé le lit, je ah, c'était vraiment une bonne expérience. C'est euh, vraiment très, très cool. Mais, euh, voilà je, je sens que c'est je, je suis très habitué au manga et j'ai des fois j'ai pas tous les codes et j'ai pas ça change de mes habitudes et j'aimerais bien prendre ce, ce genre d'habitude là donc voilà donc j'en lis des fois je lis aussi un peu de comics mais ça dépend pareil c'est les amis qui m'en prêtent euh, ou alors des fois on m'en conseille puis j'arrive à me les procurer et donc du coup je les lis aussi euh, de ce côté là donc ça reste euh, mineur entre guillemets euh, sur 30 bouquins que je peux lire dans le mois ça va sûrement être une BD et un comics maximum mais, euh, mais voilà, ça me dérange pas, de, au contraire, d'en lire. Et je suis curieux, en fait, de découvrir aujourd'hui des comics et de la et de la, et de de la la BD, euh, contrairement à avant. Donc ça, c'est euh, plutôt cool. Non pas que je m'ennuie dans le, dans, le, dans le manga, hein, pas du tout. Il y a encore plein de choses que j'ai envie de lire et, et redécouvrir. Mais d'avoir d'autres lectures, euh, c'est plaisant aussi. Et ça permet des fois de, de mieux apprécier certaines euh, certaines expérimentations, en fait. Donc voilà. Donc le seul truc, c'est qu'effectivement, je ne les présente pas spécialement pendant les lives. Après, si vraiment vous êtes intéressé, je parle des fois un peu de mes lectures BD, mes lectures comics. Je peux tout à fait, tout à fait en parler. Mais voilà, je sais que le public s'attend plus à du contenu manga, comme le souligne Guigui voilà, dans tous les cas, c'est que le manga est ma lecture principale. Alors, pour revenir à la question de Dorothée, euh, donc mes 10 auteurs favoris, alors j'ai essayé de faire une petite sélection. On va euh, peut-être pas rentrer dans le détail de, de, de tout, mais je vais quand même vous montrer un petit peu quelques livres euh, et, euh, de, de, et quelques auteurs que, que j'aime bien. Euh, alors, je ne vais pas parler de Tezuka ni de Ishinomori, puisque j'en parle déjà énormément. Euh, on a déjà fait pas mal de questions sur Ishinomori euh, dans le passé. Mais le premier que je vais citer, le premier qui me vient souvent à l'esprit, c'est Taniguchi. Euh, Taniguchi, euh, puisque quand j'ai découvert Taniguchi, c'était avec les classiques, quartier hein, lointain. Alors je ne les ai pas pris, je vais les prendre au fur et à mesure. Euh, Celui-ci. Et le dernier. Voilà. Donc c'était euh, avec Cartier Lointain que j'avais découvert et j'avais beaucoup aimé justement son, son côté. Euh... Alors je vais vous partager un petit peu. Hop là. Voilà. Installation. Euh, histoire que vous voyez les planches, ce sera plus sympa. Donc je pense que tout le monde connaît Cartier Lointain, ou du moins beaucoup de monde, puisque c'est son œuvre la plus connue. Et j'avais été énormément touché par l'histoire, le, 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 le style. Euh, bon, en plus, ça joue beaucoup sur la nostalgie. Je rappelle, hein, moi, je suis un vieux. Euh, donc, du coup, ça m'avait marqué quand je, je l'avais lu. Je n'ai pas lu à 20 ans, j'ai plus lu à, à 30 ans passés. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, moi, j'étais très touché par, euh, par Quartier Lointain. Il m'avait vraiment euh, ému. Donc, j'ai de suite euh, accroché à cet auteur. Et j'ai voulu euh, absolument découvrir euh, un peu tout ce qu'il a fait. Et donc, après, j'avais continué, bien sûr, avec... Euh, euh, le journal de mon père, à tel point que pendant des années je les ai un peu confondus tous les deux parce qu'ils sont assez ressemblants dans la thématique. Et euh, voilà, donc je vous montre quelques images. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je pourrais passer une soirée. Il hein, y, y a pas mal d'auteurs que j'aimerais parler. Donc voilà, qui est vraiment excellent. Et un autre qui m'a marqué de, de Taniguchi, c'est Le Sommet des Dieux. Alors je reste sur des grands classiques. Hein, je ne suis pas en train de vous sortir les petits titres, etc. Euh, parce que quand j'ai exploré Taniguchi j'aimerais faire des vidéos euh, de Taniguchi euh, plus détaillées mais bon il a fait quand même une soixantaine d'œuvres, c'est assez énorme et j'ai pas envie de vous dire ah ça je m'en rappelle plus trop ça fait longtemps que je l'ai lu etc il faudrait vraiment que je relise Taniguchi euh, euh, en intégrale et ça, peut, et ça va demander beaucoup de temps et donc du coup j'ai euh, voilà ça c'est le sommet des dieux alors, le livre un peu défoncé euh, et donc du coup euh, voilà sommet des dieux moi bon, il m'avait énormément marqué Sachant que quand j'ai exploré Taniguchi, euh, tout ne se vaut pas. Il y a beaucoup de choses, finalement, dans sa, dans sa biographie euh, qui, euh, on va dire, qui, euh, est sympathique, mais clairement dispensable. Donc, derrière, euh, voilà. Taniguchi, j'aimerais bien, justement, refaire un peu une tier liste euh, voilà, de, de, de lui et de vous dire un jour, t'as ça, ça, c'est à lire, ça, c'est pas à lire, etc. Quoi. Alors. Euh, oui, j'ai lu la montagne magique. Il est où d'ailleurs Je crois qu'il est là. Je l'ai lu. J'ai plus beaucoup de souvenirs hein, de la montagne magique. Je vais pas te le cacher. Il est là. Bon, je sais pas. J'avais trouvé une version en, en souple, alors qu'en fait elle est en dur. Donc, ouais. et c'est une œuvre tout en couleur. La montagne magique. Hop là. Mais ça m'avait pas marqué. Hein. C'était une petite histoire fantastique. J'avais pas été hyper marqué par ce, par ce manga là. Ça fait partie de ces mangas qui sont sympathiques, mais pas du tout indispensables. Et en fait, dans, dans la collection Teleguchi, il y en a pas mal comme ça. Il y en a presque la moitié, je dirais. Et donc, mais ça faisait partie de mes auteurs vraiment favoris. Après, euh, un autre auteur. Alors, j'ai choisi des auteurs et des autrices. Donc, je vais vous parler d'abord des auteurs. Euh, pourquoi C'est juste parce que je vais démarrer par les auteurs, hein, tout simplement celui-ci et euh, celui-ci celui un autre auteur que j'aime beaucoup euh, c'est alors tu me dis quoi je suis, euh, euh, tezuka, je suis mangaka j'ai je suis très jaloux du vu moi j'aime mais j'aime bien taliguti de toute façon taniguis euh, euh, voilà ça moi ça reste ça reste un auteur que je J'apprécie toujours et je continue toujours à acheter euh, ces, euh, ces titres. Alors, euh, sur le, la suite, euh, c'est Kamimura. Voilà, je ne sais pas qui connaît Kamimura. Dites-moi le dans le chat. Euh, Qu'est-ce que vous avez lu de, de lui Donc ça, c'est le premier titre que j'ai lu de Kamimura, euh, qui est euh, voilà, qui, qui est un style très euh, estamp. Euh, voilà, de, je crois qu'on l'appelait l'estampiste les, 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 les de l'Archoa, un truc comme ça. J'ai plus le nom en tête. Et j'avais commencé à lire euh, Lorsque nous vivions ensemble, et ce qui m'avait frappé, c'était vraiment la poésie qui se dégageait de son histoire. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué, sachant qu'en plus, ça part sur un, 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 comment dire, un fait sociétal euh, des années euh, enfin, 70, hein, un jeune couple qui vit ensemble et euh, qui, euh, comment dire, qui, euh, qui ne sont pas mariés, et ça, c'était très mal vu. Et ça, lorsque nous vivions ensemble, c'est clairement un, un manga, enfin comment dire, un, un titre que j'avais euh, adoré. Quoi. Donc euh, voilà, c'est un trois gros volumes et c'est sa poésie vraiment qui m'a plu. Quoi. Et le deuxième titre que je pourrais conseiller de cet auteur. Salut Lady Murasaki, bienvenue à toi. Mais pas de soucis, installe-toi. Tu la bienvenue est, hop là. Alors, celui-ci, j'ai dû le, le plastifier parce que, le, pareil, le, la couverture est assez spéciale. Et c'est Maria. Et Maria, pareil, ça m'avait énormément marqué par le, le, la, une sorte de vent de liberté qui, qui respire dans, dans ce manga. Euh, avec le personnage de Maria qui, est, euh, qui vit comme elle entend, qui euh, qui euh, a des relations. Euh, euh, homosexuel etc des choses très tabous euh, au Japon euh, qui rebelle qui euh, voilà qui se laissent pas euh, qui se laisse pas dominer par les autres en fait et euh, qui vit à sa à l'heure et je trouvais que voilà c'était une sorte de, de, de comment dire une rébellion un air de rébellion un vent frais en fait quand tu quand tu lis ce ce bouquin donc euh, du coup Maria c'est en deux volumes c'est euh, par exemple une œuvre que je conseillerais aussi euh, à lire chez Kamimura Hop là. Voilà. Maria. Alors, tu as lu l'apprenti Gaïcha, Boris, est-ce que tu as aimé Parce que l'apprenti Gaïcha, euh, moi, j'étais un petit peu resté sur ma faim avec ce manga, puisque ça reprend la vie d'une jeune Gaïcha qui va apprendre, ben, le, 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 comment dire, les coutumes de tout ça. Et euh, et du coup, euh, comme ça finit pas vraiment, ou on sent que ça finit à un moment qui est pas, euh, qui est pas euh, idéal, euh, je trouve que, enfin, il aurait pu aller plus loin. Je pense que la série a pas fonctionné, il n'a pas continué, parce que à lire c'est sympa, mais le fait que ça se termine un peu comme ça, sans conclusion, j'étais un petit peu déçu de, de cette œuvre. Mais je l'ai lu qu'une fois il y a longtemps, donc il faudrait que je le relise de ce côté-là. Donc euh, Matojora, tu me dis ouais, que tu as jamais réussi à rentrer dans lorsqu'on vivait ensemble. Ça t'a écarté de son œuvre pendant un moment, mais tu comptes le retenter autant que le dessin est très beau. Oui, mais moi, je t'invite à le retenter. Et, euh, et c'est vrai que voilà, on n'est pas du tout, on n'est plus dans des trucs euh, de société, on n'est plus dans des relations humaines. Euh, le manga, il est extrêmement euh, triste et très dramatique hein, dans, dans, dans ce qui se passe. Euh, moi, quand je l'avais fait lire à ma compagne à l'époque, euh, euh, elle avait pleuré, ça l'avait vraiment vraiment touchée. Donc euh, du coup, il ne faut pas hésiter à, à retenter. Il y a des fois, on n'est pas dans le bon mood. Euh, voilà. En tout cas, pour moi, ça reste euh, sa, sa meilleure œuvre. De, et je comprends le succès qu'il y a eu euh, à l'époque. Après, un autre auteur que euh, je voudrais vous parler. Hop. Alors, c'est lequel C'est celui-là et celui-là. Il est là-haut. Hop. Comme la question est arrivée tardivement, je n'ai pas préparé les livres, mais j'avais juste fait la liste. Ok Boris, oui, donc pour Gaïcha, effectivement, tu as apprécié, mais effectivement, ce n'est pas la, le plus marquant. Alors, un autre auteur, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être donc c'est un auteur qui est dans le qui est dans le l'historique le, et les samouraïs. Est-ce que vous avez des idées dans le chat Dites-moi. Ah, je râle un petit peu la, la suite que je, euh, ce dont j'avais noté. Est-ce que vous avez une idée Je vais vous montrer. C'est hop. C'est du Hirata Hiroshi Hirata qui nous a quitté euh, il y a quelque temps, euh, qui est un Geki Gaka comme il aime bien s'appeler et qui euh, euh, c'est toujours euh, comment dire c'est toujours euh... ah mais oui <laughs> merci Evangabadas voilà Alors, il y a toujours un décalage entre la vidéo et le chat hein, donc c'est normal. Et voilà, plutôt que vous, je peux vous faire attendre 40 secondes avant que, que ça réponde. Et effectivement, c'est bien Irata. Donc, le premier que moi je vous c'est Salut mais Écoute, je suis en train de répondre à ta question, Dorothée. Donc, tu pourras toujours revenir sur le live en arrière si tu, si tu veux. Donc, les, les premiers titres et les premiers auteurs que j'ai proposés. Donc, par exemple, Irata, c'est quelqu'un qui m'a de suite plu quand j'ai commencé à lire, déjà par sa par son graphisme, son réalisme euh, qui, euh, qui, pr euh, qui propose. Voilà, j'adore le, 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 le style vraiment réaliste et les histoires, puisque souvent c'est tiré d'histoires vraies qui, qui romancent, bien entendu. Et euh, donc c'est pour ça que j'adore irata parce qu'il essaye de partir toujours d'une base véridique, euh, enfin toujours euh, euh, régulièrement. Hein. Et euh, oui, effectivement, euh, irata est venu en Angoulême il a, il a fait des vidéos aussi dans les locaux de Dakata, euh, à la campagne, etc. Enfin voilà, il, est, il a vu un reportage aussi à la télé. Il a eu pas mal de choses euh, où il était avec son costume euh, de, 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 de guerrier et, euh, et, euh, et son pinceau pour euh, euh, voilà, lui montrer vraiment le samouraï. Euh, je dirais presque un, un peu cliché euh, que les Européens aiment bien voir. Mais en tout cas, voilà, nous, ça nous faisait plaisir. Et, euh, et donc du coup voilà le, par exemple l'âme du Kyudo, c'est vraiment euh, c'est sur le, le, donc le tir à l'arc et ça montre pareil comme d'habitude la bêtise euh, la bêtise humaine et des fiefs et compagnie qui euh, d'un simple exercice de tirer euh, tirer une flèche tout le long d'un temple, temple comme vous pouvez voir ici qui est très long en fait ça devient une sorte de compétition euh, d'honneur euh, à savoir qui tire le plus de flèches et au début, euh, les mecs, ils s'entraînent jour et nuit, ça devient n'importe quoi. Euh, voilà. Donc, euh, c'est quand même. Euh, c'est juste génial à lire. Donc, ça, moi, je vous le conseille, celui-ci, si vous voulez découvrir Irata. Et le deuxième que je vous conseillerais, c'est celui-ci. C'est l'argent du déshonneur. Bon, je, alors, je les ai tous, les Irata, qui sont sortis en France. Euh, mais c'est les deux qui m'ont le plus marqué. Donc, salut, euh, Jajar. Bienvenue à toi. Et, euh, et euh, oui, donc, tu le papy. Euh. Alors, je, je t'ai vu, donc tout est bon. Euh, et donc, du coup, euh, ben l'argent du déshonneur, là, cette fois, c'est euh, un mec qui... Euh, euh, je crois que quelqu'un a parlé récemment. C'était à toi, euh, Mangabadas, euh, je crois. Hein. Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, là, c'est en gros, c'est que, vous savez, il y a tout le, le, le système du, du bouddo qui est là avec son euh, engagement et toutes ses règles. Et, euh, et du coup... Là-dedans, en fait, c'est que les mecs, en pleine guerre, ils marchandaient leur vie. C'est-à-dire qu'ils signaient une reconnaissance de dette. Et pendant la guerre, sauf que c'était totalement interdit, hein, c'était honteux de, de, de faire ça. Et sauf qu'il y a un recouvreur de dette eh bien, qui vient avec cette fameuse dette après la guerre et qui dit, bah, maintenant, il faut me payer. Et sauf que, bien sûr, bah, à chaque fois, il va essayer d'étouffer l'affaire et éliminer ce recouvreur de dette. Et on découvre aussi, pareil, toute la... Ce qui m'a plu, justement, c'est de, de sortir de ce cadre Très, euh, très idyllique de, du budo avec, euh, avec ses valeurs guerrières et ses valeurs théoriques euh, sauf qu'en pratique en fait euh, les mecs euh, ils la respectaient pas du tout quoi. Euh, voilà ça c'est par c'est une preuve une signature donc voilà donc ça lui j'avais beaucoup aimé et en plus c'est un personnage euh, que l'on voit dans un autre manga donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt cool alors, je ne sais plus quel c'est, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ce personnage-là de recouvreur, il est dans un autre manga d'Irata et, et il a dessiné toute une histoire avec lui. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, je ne me suis jamais assez renseigné. Mais en tout cas, euh, voilà. Ça, c'est lui. Hop. Euh, alors, je vais continuer la question et je reprendrai vos. vos enfin, continuer les, les présentations et je, je reprendrai vos questions après, sachant qu'il faudra que je passe aux achats à lecture. Donc, euh, donc voilà. Ou sinon, je, je raccourcis un petit peu celle-là. Parce que là, il y avait quand même beaucoup de beaucoup de trucs. Euh, alors, je vois quand même vos questions. Rapidement, est-ce que tu as lu les samouraïs executioner. C'est dans ma euh, Non, je ne les ai pas lus. Euh, J'ai loupé le coche des versions physiques. Je les ai en digitaux, mais euh, je ne me suis jamais posé pour les lire. Mais pareil, pareil ça fait partie d'une des de trucs que j'aimerais bien, euh, bien lire. Euh, J'attends avec impatience les rééditions en espérant euh, qu'elles seront de même qualité que l'argent du déshonneur. Donc manga badass. Effectivement, ça doit revenir. Euh, en tout cas, dans les rumeurs, ça doit revenir. Euh, au niveau d'Irata. Donc, euh, donc du coup, euh, oui, j'espère surtout que moi qu'il y aura des nouveaux titres. Parce que euh, je suis très content que les gens puissent redécouvrir les anciens titres, mais j'aimerais bien des, de l'inédit. Donc voilà. Euh, des... Tain. Donc, euh, Gardiora une question. Le nouveau, une question. As-tu le nouveau volume de Kitaro euh, Non, je ne l'ai pas. Euh, pas. Je ne l'ai pas. Je l'achèterai à Angoulême et je crois qu'il y a deux volumes d'ailleurs. Donc, euh, et le, le visuel, tu le trouves très facilement. On va sur la Fnac. Tu tapes euh, les Aventures de Kitaro. Tu vas le voir de suite. Hein. Donc, euh, de, de ce côté-là. Hop là, je vois qu'il y a eu plein de commentaires. Euh, salut les Sieg, bienvenue à toi. Euh, du coup, prochain euh, que euh, le prochain, alors à la limite, je vais peut-être passer sur, euh, je vais le faire rapidement. Et là, En auteur, alors je vais accélérer un petit peu euh, histoire d'aller un peu plus vite. Mais euh, un autre auteur qui que j'aime beaucoup euh, dans mes favoris, c'est Azano. Euh, pareil, je reste très classique avec Solanine qui a un très bon titre pour le découvrir. Et euh, qui, il a l'habitude de faire du un peu du, euh, des trucs euh, très sociétal, actuels, euh, souvent avec des histoires euh, euh, dramatiques, etc. Mais voilà, c'est un plaisir à lire, et surtout quand c'est sorti en France en tout cas c'était totalement nouveau hein, ce genre d'histoire ce, ce parce que Azano comme ça a été publié chez Pana, du coup ça touchait beaucoup plus de monde que ce que pouvait sortir d'autres éditeurs qui étaient, euh, qui étaient euh, je veux dire, presque pas enfin n'étaient pas connus quoi. donc voilà donc Solanine et son autre œuvre maîtresse qui est bien sûr Bonne nuit Poon Poon donc voilà euh, donc Bonne nuit Poon Poon pareil moi c'est une œuvre qui m'a beaucoup touché en partie en partie parce qu'après ça part vraiment vraiment loin, euh, c'est plus difficile de s'identifier de à, à des choses comme ça. Mais euh, pareil, Pounpoun qui va retracer la vie de Pounpoun. La particularité c'est qu'il est représenté sous forme d'oiseau qui va changer de forme, donc du coup tout le monde peut plus ou moins s'identifier à lui. Et, euh, et pareil, ça va être une histoire qui est jonchée de, de, de drames euh, et un garçon euh, très particulier. Euh, et voilà, c'est passionnant à lire. Moi, je me suis régalé pour une série longue. Je trouve que c'est juste, euh, c'est juste génial. Donc, euh, et Asano, je l'avais aimé justement parce qu'il arrivait à. Je trouvais qu'il arrivait à décrire euh, la société d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, avec une, une vision moderne euh, très éloignée du Japon euh, clean qu'on nous présentait dans les mangas. Donc, du coup, on avait un Japon qui était beaucoup plus, euh, on va dire, sale. Donc voilà. Donc euh, Asano, ça serait ça. M'attarde pas trop hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais avec, après d'autres lives, on aura tout à fait l'occasion parce que je vais commencer à repartir sur. Euh, à faire des, des lives, euh, comme j'avais promis, sur l'exploration de mon ma mangatech, euh, étagère par étagère. Je sais que c'est attendu. Et, euh, et donc, du coup, le prochain live, ça sera ça, et j'aurai l'occasion, au fur et à mesure du temps, de revenir en détail sur ce genre de titre hein. Ce qui fait qu'on aura le temps d'en discuter, et, de, et je vous irai euh, tous les souvenirs. Euh, euh, que j'avais. Le suivant, donc le dernier euh, mangaka homme euh, c'est Tayo Matsumoto. Je pense que, pareil, il y en a plein qui doivent connaître. Je pense que toi, manga badass, euh, tu kiffes Tu kiffes. Euh, donc du coup, euh, ça, c'est l'édition de, de Ping Pong. Je sais, Boris, tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit. Tu t'es reconnu. Boris qui est impatient d'avoir justement l'exploration des manga tech et qui a eu le, le, le privilège de choisir les, les, les premiers titres qui seront présentés. Euh, voilà. Alors, euh, du coup, Chulo euh, Papi, euh, le titre de Nishigala, moi j'ai la version Panini, c'est un titre qui est très euh, cryptique. Donc c'est normal de ne pas rentrer euh, dedans. Euh, Okay. J'essaye de voir un petit peu les messages que vous avez envoyés. Ok, je, je, je survole un petit peu. Hein. C'est normal que euh, tu n'aies pas réussi à rentrer dedans parce qu'il est quand même assez particulier. C'est pas celui que je conseillerais en premier pour découvrir Azano, hein. clairement pas. Euh, donc, euh, si tu as commencé par ça, euh, ne te limite pas à celui-ci, euh, essaie d'en découvrir d'autres et n'essaye pas, euh, pas le quartier de lumière et le et l'autre, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Essaye vraiment sous la ligne. Sous la ligne il, est, il, est, il est facile d'accès, il est cool. Euh, voilà c'est du très bon Asano tu, si, si ça te plaît pas euh, si cela ne te plaît pas il y a les chances que l'auteur te plaise pas tout court en fait voilà donc Evil Sieg, merci pour tes petits commentaires ça me manquait tes petits trolls donc effectivement euh, Matsumoto très spécial nouvelle génération de mangaka euh, derrière et, euh, et du coup euh, un graphisme euh, unique. Euh, moi j'adore son, son graphisme. Et à chaque fois, il est capable de raconter les, des relations humaines, des... des, des, euh, des, des euh, ah, je perds mes mots. Euh, des problématiques euh, de l'enfance, de l'adolescence, euh, etc. Donc euh, voilà. Mais le quartier des, Lumi oui. Alors, le quartier des lumières, errance, euh, etc., c'est pas les plus faciles d'accès. Surtout en plus, errance, c'est une sorte d'auto-fiction. Donc euh, voilà. Euh, donc du coup ping pong déjà je vous conseille de découvrir ce manga il est fantastique mais euh, la version animée est tout autant fantastique que la version manga ils ont respecté le manga c'était euh, génial donc n'hésitez pas à regarder la version animée aussi et euh, donc voilà donc ping pong moi euh, ouais, ça a été un coup de cœur quand je l'ai découvert c'est pas le premier Matsumoto que j'ai lu parce que le premier c'était à mur Béton. Mais à l'époque, euh, je n'ai pas accroché, j'étais pas prêt pour lire ça. Et, euh, et là, ping-pong, top. Et en plus, c'est ressorti en deux volumes, je crois. Donc euh, n'hésitez pas à l'acheter parce que moi, l'édition que j'ai, elle est, elle est un peu vieillotte. Euh, elle, a, elle a mal vieilli. Euh, elle n'est plus très blanche. Et le deuxième que je vous conseillerais, c'est euh, le samouraï bambou. Voilà. Alors, je ne conseillerais pas number 5, euh, Manga Badas, parce que euh, c'est très particulier. Moi, j'aime beaucoup number 5, mais ça reste... Euh, voilà, je sais que tout le monde n'accroche pas dessus. Surtout qu'au début, on ne sait pas trop où il veut aller, etc. Ça met un peu de temps, quoi, euh, de, de ce côté-là. Par contre, alors, le samouraï bambou, il a, il a utilisé euh, pareil un graphisme mais fantastique. Hein. Moi, j'adore ça. C'est juste magnifique, en fait. Et, euh, et voilà, bon, c'est une histoire qui se passe à l'EREDO. Euh, je n'ai plus le détail de l'histoire euh, là comme ça de tête mais pareil je m'étais régalé il y a des planches fantastiques à l'intérieur en Angoulême, l'exposition elle était mais magnifique il y avait certaines planches mais vraiment euh, superbes quoi donc euh, c'est juste génial Matsumoto par contre Matsumoto comme c'est un univers et un graphisme qui est très particulier il faut du temps avant de rentrer dedans moi je sais j'ai mis un peu de temps avant de rentrer dans, dans son univers Et euh, mais une fois qu'on est dedans c'est juste génial Oula. Et c'est pareil, euh, ma, euh, quand je lis du Matsumoto, je suis jamais en mode... Euh, j'ai toujours un petit temps avant de rentrer dans, euh, dans son univers. Et, mais je sais que il ne faut, euh, faut pas que je lâche, parce qu'à chaque fois que je, je re rentre dedans, je me régale. Mais il y a une patte qui est tellement particulière. Et pourtant, j'ai lu des trucs dans, dans, de, de, vraiment de graphisme très diversifié. Et en fait, cette patte particulière, il y a, ben, il y a des fois, si on n'est pas dans le mood, c'est plus, plus difficile. D'y de, 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 accéder. Hop là. Mais Printemps Bleu, je l'ai aussi. Et, euh, et honnêtement, ce n'est pas celui que je préfère, Printemps Bleu. Puisque ça reprend euh, les émois de l'adolescence, pareil. Et, euh, et Printemps Bleu, euh, ben, du coup, euh, quand je l'ai lu, j'étais plus mitigé. Autant Frère du Japon, par contre, lui, il est plus accessible. Hop Alors, je propose de passer aux autrices. Ça et ça. Je vais en prendre plusieurs pour ne pas faire 15 000 retours. Comme je disais, comme j'ai reçu la question tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de préparer tous les, euh, tous les titres. Et vous me voyez courir partout comme ça. Ouais. Le premier euh, et le dernier, celui-ci. Allez. Alors, je me suis rendu compte, bon, j'ai pas mal d'autrices, mais j'ai pas des autrices avec des très longues séries à chaque fois. C'est que des histoires très courtes euh, ou avec beaucoup, beaucoup de titres. Voilà, contrairement aux auteurs qui sont, euh, en tout cas en France, beaucoup plus publiés. Et euh, la première autrice que je pourrais conseiller, c'est euh, du Okazaki, qui connaît Okazaki Yuku Okazaki. Et clairement, euh, un manga qui m'a mis une claque, c'est lui. Helter euh, Skelter, alors elle, elle, elle a un trait, elle a une façon de raconter les histoires euh, qui sont mais juste géniales. Euh, elle, elle, est, elle donne vie à ses personnages, c euh, mais c'est fantastique quoi. C'est fantastique. Donc euh, là, c'est vraiment sur du Maïkina, euh, tous les problèmes euh, liés euh, au régime, à la, à la, à la, à la popularité, euh, être toujours au top, euh, l'addiction, euh, etc. Vous lisez ça, c'est juste euh, une claque. C'est clairement une claque. Donc euh, Okazaki, j'ai acheté tout ce qui était sorti en France. Et je ne sais pas si c'est son intégrale, mais je vous conseille très fortement de découvrir cette autrice, même si je sais qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de pouvoir les lire. Donc voilà, Okazaki, ça a été euh, euh, une belle surprise quand j'ai découvert ça. Et euh, le deuxième, c'est River Edge. Alors il faut savoir que juste Eltor Skelter, il y a une version live qui est, euh, qui est juste fantastique. Donc euh, visuellement, c'est magnifique. Euh, oui, normalement c'est Pink. Attends, je vérifie quand même que je ne me trompe pas. Tout à fait. Hop C'est l'auteur de Pink donc, c'est bien ça. Euh, tu reconnais le dessin, ça, c'est pink. Et River Edge, en fait, c'est pareil, c'est ça suit euh, la vie d'adolescents. Je me rends compte que j'adore ce genre d'histoire, tous pareil, torturés euh, à mort, torturés personnellement et des fois physiquement. Et ils vont découvrir un cadavre, en fait, dans, dans, une, euh, dans, dans une prairie, et ça va devenir un peu leur point de, de ralliement, et ce cadavre va catalyser un petit peu toutes leurs leur problématiques, en fait. Et pareil, on lit ça, c'est génial à lire. J'ai chaque fois, chaque fois que je lis du Okazaki, je, je, je me régale. Il y a vraiment une façon de raconter les histoires qui sont ultra prenantes. Le son saccade. Alors, dites-moi si ça. Dites-moi. Alors, sur quoi euh, Sur quoi, Rock tu confirmes le son saccade. C'est pas cool ça. Parce que moi, je n'ai rien changé. Alors ah, attendez, bougez pas. Bon, apparemment. Alors ici, c'est bon. On me dit. Ok. Euh... Hop, la River Edge, j'enlève. Donc pas de souci. Donc apparemment ça vient de chez vous. Hein. Euh, plusieurs personnes euh, n'ont pas ce, ce, ce problème. Hop là. Alors Rock, euh, moi je l'ai lu. J'ai fait une critique dessus d'ailleurs. Hein. Vous pouvez la, la retrouver. Euh, moi tout ce que tu soulignes c'est pas un truc qui qui, euh, euh, qui m'a choqué en tout cas. Non Rock. Parce qu'on est on est vraiment sur une adolescente qui euh, pff, enfin une adolescente jeune adulte. Il fait qui euh, fait casse qu à sa tête si je pouvais pas la, la caméra ça marche pas euh, qui en fait vraiment casse à sa tête qui vit sa vie euh, n'importe comment euh, euh, sur un coup de tête elle se marie sur un coup de tête euh, elle va coucher avec un garçon euh, sur un coup de tête elle divorce euh, et finalement elle va se laisser un petit peu manipuler et devenir une sorte de, 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 de mannequin quoi hein, pour vie pour une agence de mannequin et et moi je, alors il y a plein de défauts dans la narration parce que c'est un des premiers livres d'Okazaki, mais on retrouve tous ces thèmes, ces thèmes généraux. Moi, c'est ce que j'expliquais dans, dans ma chronique de mémoire. Et, et dedans, en fait, je trouvais que dans cet univers-là, totalement désinvolte, euh, qui auquel ben, les gens se laissent aller à leurs pulsions, se laissent aller à leur à primaire, comment dire, à leurs besoins primaires entre guillemets, hein, leur instinct primaire. Euh, J'ai pas trouvé ça euh, choquant. Alors. La prochaine fois que je le relirai, je serai plus attentif à ce point-là, si toi ça t'a si marqué, en fait. Euh, parce que, en tout cas, quand je l'ai lu, moi je n'ai pas. Euh, J'ai pas, en tout cas. Ça, par rapport à l'histoire, par rapport à l'univers, ça ne m'a pas choqué tant que ça. Donc je referai attention la prochaine fois que je le, le lirai. Généralement, j'essaye quand même d'être assez euh, attentif à, à ce genre de choses. Après. Euh, alors, n'hésitez pas, oui, sachez que, euh, bien sûr, il y a Twitch. Euh, si vous préférez passer par Twitch, donc je vous remets le lien de mon, de mon Linktui. Et, euh, euh, et donc, du coup, euh, euh, du coup si, si ça marche mieux sur Twitch, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, je, je stream sur les deux, justement, au cas où il y a des problèmes, de, euh, des problèmes comme ça de, de, sur une plateforme. Alors, la personne suivante, ça va être. Là, ça va pla faire plaisir à certaines personnes. Ça va être du Tamula. Euh, donc, j'ai découvert, bien sûr, l'autrice. Donc, cool, mangabada, c'est cool que ça, ça refonctionne mieux. Mais Tamura, j'ai découvert l'autrice à l'époque. En 2004, j'ai découvert, je crois. J'étais encore à la fac. Ma dernière année de fac. Et euh, du coup, euh, je lisais ça à l'époque de la fac. Et ça, ça a été aussi nos claques. Euh, une histoire épique, euh, qui juste mais incroyable. Euh, en plus, moi, au début de l'histoire, je me suis fait totalement avoir par un truc qui, je pense, est assez banal euh, si on est, euh, euh, si on est, euh, comment dire, euh, euh, si, si on lit des romans, on a l'habitude de ça. Mais moi, à l'époque, j'avais pas l'habitude et ça m'a surpris. J'ai fait ah waouh, trop bien et tout, c'est incroyable. Je dis pas, je dis pas pour pas vous spoiler, bien entendu. Et et du coup. Euh, et du coup, il euh, ben, faut savoir que Bazaras, je ne l'ai lu qu'une fois en fait, en 2004, mais j'ai un souvenir qui est euh, juste une aventure fantastique. Par contre, j'avais dû m'habituer à son dessin. C'est-à-dire que son dessin, la première fois que je l'avais lu, où j'étais habitué à des, à des shonen extrêmement euh, très, très propres dans le sens où très lisse, très propre, et là j'avais l'impression de lire un truc qui était brouillon en fait. C'était la sensation de l'époque. Hein. Euh, alors qu'aujourd'hui je trouve ça juste magnifique. Et, euh, et du coup... Et du coup, voilà, moi j'invite les gens qui peuvent découvrir Bazara à le faire. Si un jour c'est réédité, sauter dessus. Et, euh, et Manga Badass, je t'invite vraiment à te lancer dedans. Mais je pense que c'est une série où il faut vraiment y aller à fond. Euh, dans le sens où il ne faut pas lire un petit volume comme ça. Il faut, faut y aller, rentrer dedans et, et, euh, et se laisser embarquer par l'univers. Et l'autre, ben, c'est. Alors je ne vais pas parler de Don't Call It Mystery, j'en parlerai tout à l'heure. Donc euh, du coup, euh, voilà, qui, euh, qui est super. Et l'autre, c'est Seven Seeds qui a été arrêté en France. Seven Seeds, c'est la même. C'est des, des, euh, des, des gens qui. Euh, des, des, c'est un groupe d'ados qui se retrouvent euh, sur une planète euh, dévastée, comprennent pas ce qui se passe, etc. Je ne vais pas dire plus de l'histoire. Fantastique. Moi, J'ai lu, j'avais lu, j'avais essayé de continuer ça en scan en anglais, mais mon anglais était tellement pourrable à l'époque que je n'ai pas pu continuer. Mais l'histoire, elle est mais juste géniale. Donc, euh, et j'ai vraiment envie de lire les, les 36 volumes. Parce que euh, cette autrice, elle sait raconter euh, une aventure, en fait, de faire des récits de, de science-fiction et tout. C'est juste génial. Je ne comprends pas euh, que, que ça ait été arrêté et que ça n'a pas marché. C'est dommage. En autrice suivante, la troisième, j'en ai parlé très longuement pendant deux heures et demie, donc je ne vais pas euh, rester longtemps dessus. Mais c'est bien sûr Takahama. Je, les deux que je conseillerais, ça serait Mariko Parade et l'Interne de Nix pour un livre plus récent, on va dire, euh, qui est beaucoup plus accessible à Lanterne de Nix que, que, que l'autre, qui fait fait beaucoup plus BD. Alors attendez, comme il y a des scènes érotiques dans celui-ci, voilà, je suis tombé bien sûr en plein dessus. Hop, voilà, donc là on est plus en format euh, plus BD. Et euh, donc Takahama, allez voir euh, le live que j'ai fait. C'est pas pour pour voir le live, c'est vraiment que. Euh, j'aime euh, vraiment cette autrice, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en avant, et c'est pour ça que, euh, que j'ai fait un long live qui reprend toute sa biographie euh, derrière. Une autre autrice que je kiffe, alors, quand j'ai lu ce manga, Doro et Doro, je, qui, qui l'a lu, qui a vu la version animée, qui l'a connu via la version animée, euh, qui l'a lu euh, dès le début, qui l'a lu... Euh, plutôt après quand c'était réédité moi je l'ai pas lu au tout tout début je l'ai lu à, la à partir de la première réédition donc voilà mais il y en a eu plusieurs euh, depuis euh, il devait y avoir je crois 12, 12 volumes à l'époque un truc comme ça et euh, de Roro je l'avais pas acheté à l'époque parce que c'était chez Soleil je me méfiais de de, de Soleil parce que c'est clairement pas habituel chez eux alors le premier volume le graphisme est un petit peu plus euh, un petit peu moins affiné que ce qu'elle fait après euh, mais par contre, il y a un univers dans Doro et Doro qui est juste incroyable, mais incroyable. Euh, si vous n'avez pas lu ce manga, à l'époque en fait même, je l'avais euh, téléchargé en scan. J'avais lu, j'avais dû récupérer genre, les huit premiers ou un truc comme ça. Et euh, et au bout de peut-être deux volumes, j'avais tellement kiffé, j'ai fait stop. J'arrête, je vais les acheter en livre. Alors, c'était galère à les trouver parce qu'à l'époque, ils étaient hyper chers et tout, mais j'ai réussi à, à trouver un lot euh, d'occasion parce qu'à l'époque, on pouvait trouver encore des lots d'occasion qui ne coûtaient pas 800 euros le volume. Et, euh, et ben, du coup, j'ai réussi à les trouver et je les ai dévorés au fur et à mesure que ça s'était publié. Et quand il euh, y a eu l'intégrale, ben, enfin, les 23 volumes, j'ai tout, euh, tout acheté. Euh, C'est 21 volumes Je ne sais plus. Enfin, la vingtaine de volumes. Je ne me rappelle plus le nombre exact. Euh. Donc, euh, donc, voilà. donc là, j'ai hâte effectivement que Daydark sorte euh, pour découvrir ça parce que j'avais pu lire en Scantra il y a longtemps une euh, une autre série d'elle qu'elle avait fait avant en trois volumes et je ne me rappelle plus le nom, mais honnêtement, je n'avais pas aimé du tout. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à découvrir ça et euh, il faut savoir que. Ah, donc c'est bien 23, c'est ça. Merci, Manga Badass. Euh, il faut savoir que euh, la version animée de Doro et Doro, hein, ça c'est dans la tome qu'ils en parlent, euh, elle a bien été supervisée par l'autrice. Parce qu'il y a un truc, quand on connaît le manga et qu'on regarde la version animée, c'est que dans la version animée, c'est hyper lumineux. Euh, tout est euh, néon, éclairé, des couleurs de partout. Et, et le manga, il est hyper glauque, hyper trash. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle a, elle a, elle a offert une seconde vision à son univers et je m'y attendais pas. Mais clairement pas. Et Donc du coup, euh, bah, du coup, c'est deux visions différentes. Donc attention, si vous ne connaissez que la version animée, vous allez avoir une version très sombre. Si vous n'avez pas vu la version animée, vous connaissez la version manga, vous allez avoir une version très colorée. Et j'adore les deux versions. Et la dernière, parce qu'après il va falloir passer aux achats manga. Euh, la dernière est... Alors, manga badass qui dit euh, la prochaine, c'est Bistar. Et non, ce n'est pas Bistar. Alors, il faut savoir que effectivement, j'ai eu Bistar. Je les ai revendus, pas parce que c'était pas bien, parce que Bistar c'est excellent, moi j'ai lu l'intégrale euh, en avance bien sûr, hein. et, euh, et je me suis régalé jusqu'à la fin, euh, même si dans les derniers arcs je trouvais que... Euh... <laughs> même si dans les derniers arcs j'ai trouvé qu'elle euh, aurait pu peut-être un, peu, un petit peu plus, euh, comment dire, euh, synthétiser tout ça. Et il y a eu quelques incohérences aussi entre la définition du bistar, etc. Enfin il y a eu quelques petites incohérences, on sent que elle a mal raccroché ses wagons, mais de manière générale, moi j'avais adoré. Surtout maintenant c'est bien avancé, donc on peut en parler. Le personnage de la hyène euh, hybride, j'avais trouvé ça euh, fantastique. C'est juste, ça dure peut-être un petit peu. Il aurait pu euh, raccourcir ça, mais la fin de Bistar, je ne vais pas dévoiler, rassurez-vous. Mais la fin de Bistar elle-même, euh, elle est, euh, elle est très clean, elle est très propre. Euh, franchement, elle, elle est cool. Donc je l'ai pas, je l'ai revendu. Pourquoi Parce que eh oui, Boris, c'est toi qui as mes pistards. Effectivement, tu les avais gagnés au, au quiz. Je, ma mémoire avait fait défaut. Et, euh, et effectivement, pourquoi je les ai euh, alors Je ne les ai pas revendus. Aussi, oh, je les ai revendus. Et les trois premiers, je les ai fait offert offer en, en, en quiz euh, parce que il y a trop de volume. Voilà, il y a trop de volumes, ça fait 20, 23 volumes, je crois, ou 22, je ne sais plus. Euh, et, et là, aujourd'hui, je j'ai plus assez de place pour faire des si longues séries. Donc, si Bistar était dispo en numérique, ben, je les aurais achetés en numérique. Ils ne sont pas dispo en numérique, et eh bien tant pis. Euh, je, les ai, je les ai lus autrement. Et, euh, et j'ai arrêté d'acheter à partir du 17 et je les ai revendus. Donc voilà, c'est Donc, plus une histoire de place. Et puis comme je les ai revendus à une amie, si vraiment je vais les lire, voilà, je pourrais les piquer. N'est-ce pas 4 euh, le prochain titre, eh bien en fait, c'est une autrice qui est très peu euh, discutée, c'est euh, elle. Kyuta Minami. Donc après euh, Kyu Ayashida, c'est Kyuta Minami. Oui, Kyu, ils n'aiment pas le numérique, hein, ils ne sont pas très fans. Euh, et donc du coup, pareil, c'est une autrice euh, que j'aime beaucoup parce qu'elle elle dépeint des portraits de femmes euh, modernes euh, voilà, qui, qui sont euh, actives euh, donc euh, dans... Professionnellement ou dans leur vie personnelle. Et, euh, et donc, du coup, euh, par exemple, ça va reprendre en fait l'histoire de de un volumes qui est célibataire et qui va finir marié, et on va retrouver bah, avec ses angoisses, ses, euh, ses, 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 ses bons moments, euh, etc. Mais la façon dont c'est raconté, c'est un peu comme du Okazaki, en fait. C'est passionnant, c'est juste génial à, à, à lire et à découvrir. Et, euh, et c'est des histoires du quotidien, en fait. Et ça, et ça va tout à fait très bien avec la collection Saka qui euh, voulait lancer avec Frédéric Boilet cette, cette mode de, 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 de manga du quotidien qu'ils appelaient la nouvelle vague manga avec le, la manga, ils l'appelaient exactement. Et, euh, et cette nouvelle vague, c'est exactement ça. Quoi. Et aujourd'hui, ça devient plus banal. Euh, on a plus l'habitude, mais à l'époque, c'était beaucoup plus rare. Et je trouvais que voilà, c'était génial. Et elle a fait d'autres titres. Hein. Elle a fait... Euh, en France, on a... On a ça, on n'en a pas 15, hein. il y en a que trois. Jeux d'enfants et Adieu Midori, et pareil, moi quand j'ai lu, je me suis régalé. C'était plein de portées de femmes derrière. Donc, euh, une autrice que je peux que vous conseiller aussi. Alors, non, voilà, voilà pour les. Euh, J'espère, Dorothée, que j'ai répondu à tes questions, euh, j'ai plus synthétisé parce que je pouvais pas parler de 40 mangas, mais et puis euh, surtout dans le détail, euh, voilà. Mais euh, voilà. Alors, ouais, salaud de Kiun pour le numérique. <laughs> c'est vrai que Kiun doit vraiment faire un effort sur le numérique parce que là, c'est 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 très light ce qu'il propose et il faut vraiment que il faut vraiment qu'ils qu plus de catalogues et même ce qu'ils ont proposé sur Mangaio c'est des licences qu'ils ont déjà mais rentabilisées euh, tant qu'ils ont pu. Et c'est vraiment histoire de dire, tenez, voici les titres et je suis présent. Quoi. Avec plaisir, Dorothée. Et euh, voilà, n'hésite pas, euh, si tu as d'autres questions pour les prochaines fois, d'en de, 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 poser. Et surtout, voilà, quand je lance les questions sur, sur euh, les, les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Euh, posez toutes les questions qui vous font plaisir. Après, si je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse. Voilà. Alors... Là de Mangabadas, si je devais en choisir qu'un, Saka ou le Lézard Noir. C'est dur, c'est dur. C'est dur, mais euh, Saka, Saka est, est une collection que j'aime beaucoup par, par justement son côté. Euh, sa, comment dire ce, cette, cette, ce côté Japon contemporain, Japon moderne, social, euh, justement, ce, ce Japon du quotidien. J'aime beaucoup ça. Et Lézard Noir a, 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 est beaucoup plus diversifié euh, pour moi. Sachant que je achète quasiment plus les nouveaux titres, je reste sur cette collection moyen format. Et je pense que si je devais cho vraiment choisir, je pense que je resterais quand même sur du lézard noir, euh, malgré tout. Euh, même si, euh, même si les deux sont vraiment super, mais euh, le lézard noir a, a proposé des titres qui étaient euh, euh, qui étaient très différents. Par contre, Saka, c'est une belle collection, il y a une belle collection d'autrices euh, qui, du coup, c'est difficile de choisir. Mais peut-être que et je choisirai peut-être les armoires avec qui euh, j'ai eu plus d'affinité. Euh, par contre, entre les armoires et Imo, je choisirais peut-être Imo, qui a, qui a une, une diversité dans son catalogue qui est extraordinaire. Mais bon, là, euh, là c'est bien, on a le choix de tout garder. Donc du coup, pour l'instant, je garde tout. Euh, voilà, il y avait une dernière question. Il y a, on va passer aux achats après, parce que ça va faire tard. Euh, ouais, Imo, euh, Imo, je pense qu'un jour, j'ai vraiment envie de faire un live où je, où je vous parle que de Imo, quoi. Et je vous montre tous les livres de Imo. Euh, et ça, on le fera dans mes explorations mangatech. Je vous sortirai tous les livres de Imo. On va passer une soirée euh, de ce côté-là. Et franchement, Imo m'a fait vivre des, des, des expériences incroyables. Incroyables. Donc, euh, moi, c'est pour ça, que je les ai tous collectionnés. Et euh, tous les auteurs japonais. Et il me manque les auteurs coréens, tout ça. Il fallait que je les achète pour euh, avoir un peu plus. Donc voilà. Donc euh, en tout cas, on fera au fur et à mesure des lives. J'essaye de faire deux lives déjà par mois, c'est déjà beaucoup. Euh, voilà, plus les vidéos, plus tout ça. Mais euh, on va le faire au fur et à mesure, tranquillement. On a le temps. De toute façon, les livres, ils ne vont pas disparaître. Euh, donc la dernière question. Euh, la dernière question qui était donc de Elise d'Orléans, qui est là ce soir. Je t'ai vu tout à l'heure, tu as dit bonjour. Vas-y, manifeste-toi. Qui m'a envoyé une question comme ça. Je vais vous la lire entièrement et on va répondre à tout ça. Euh, comment envisages-tu de gérer de potentiels futurs problèmes de place de ta mangatech Parce qu'effectivement, vous l'avez vu, ça se remplit vite. Se Alors, point d'interrogation. Se séparer de séries pour avoir une, évo une évolution continue et perpétuelle de tes titres Point d'interrogation. Créer de nouveaux meubles dans ton espace Point d'interrogation. Pousser les murs Point d'interrogation. Investir dans les NFT Tesoucoin, ça ça me plaît beaucoup cette idée, pour acheter une bibliothèque municipale et enfin avoir une Espagne digne de ta collection. <laughs> Ton message m'a fait beaucoup rire. Donc euh, prenons tout ça dans l'ordre. C'est bien que tu m'as fait toutes les propositions, donc je n'ai pas eu besoin de, de réfléchir trop longtemps pour, pour te répondre. Alors, aujourd'hui, effectivement, je manque de place. Vous l'avez vu déjà, j'ai restreint les longues séries. J'hésite pas à revendre des séries récentes. Euh, trop longue. Euh, donc voilà. Non, je ne vais pas revendre mes racailles bleues, je vais les garder malgré tout. Et euh, autant, j'avais déjà expliqué dans une vidéo récemment euh, qui était ma vidéo euh, J'arrête d'acheter les rééditions. J'espère que tout le monde l'a vu. Hein. Attention, je, je vous vois. Qui ne l'a pas vu dans le chat hein Et euh, du coup, euh, cette vidéo-là, j'explique que, en fait, j'ai un, un affect particulier pour mes très vieilles éditions parce que, ben voilà, c'est. C'est euh, comment dire c'est ce qui m'a fait découvrir l'univers du manga, mais j'ai beaucoup moins d'affect pour les, les séries beaucoup plus récentes, même s'il si y a encore des choses qui sont vraiment géniales à découvrir. Donc j'ai moins de difficultés à m'en séparer ou j'ai moins de difficultés de les avoir en numérique. Euh, donc en fait, aujourd'hui déjà, j'évite d'acheter des trop longues séries. Alors je dis ça, pourtant je suis en train d'acheter Don't Call It Mystery, je sais que cette série-là, elle va faire 300. 15 volumes hein, puisque Tamura ne sait pas faire des séries courtes. Donc voilà. Mais merci euh, euh, Jajar, d'être passé. Euh, et euh, écoute, bonne lecture de Lone Wolf Cup 2. Donc euh, voilà. Et avec son signé, puisque dans le premier volume, c'était un oubli apparemment. Mais euh, les nouvelles, euh, les nouveaux arriveront avec un signé. Euh, donc voilà. Où. Donc le donc voilà. Déjà, j'ai des petites règles. J'essaye de me restreindre, mais je ne veux pas non plus passer à côté de, de bonnes séries. J'essaye de me restreindre sur le nombre de volumes, du moins en possession, parce que typiquement, j'aurais fait ce même raisonnement pour d'oro et d'oro, j'aurais passé à côté d'une série qui est juste euh, fantastique. Donc euh, c'est pour ça que je ne suis pas fermé, mais j'essaye d'éviter les trop longues séries ou, ou de les lire de façon euh, autre pour me faire une idée dessus. Et euh, effectivement, je vais plutôt euh, faire la solution, euh, je ne vais pas rajouter des meubles, parce que là, j'ai plus de place dans ma pièce, elle est pleine en fait. Tous les murs sont pleins, euh, à part potentiellement... Euh, en mettre là-bas derrière euh, mon radiateur ici, il euh, y, y a plus de place quoi. Et là, c'est, je suis en train de, de jouer au millimètre euh, de, de ce qui me reste. Euh, et je vais plutôt partir sur l'optique de revendre des séries pour les remplacer. Mais revendre vraiment les séries qui ne m'ont pas euh, donné un coup de cœur. Je vais donner un exemple. Euh, par exemple, j'avais vu, ah, voilà, j'avais vu il y a très longtemps. Euh, la série animée qui s'appelait euh, Anada le, le Gardement. Euh, J'avais kiffé la version animée, j'étais mort de rire en, en, en la regardant et tout. Alors, bien sûr, ça devait être du, du, du fansub. Hein. Euh, Salut Antoine, ça fait plaisir que ça là. Et, euh, et bien, quand je l'ai acheté un manga, j'ai acheté les 5 volumes en me disant Ah, oh, trop bien, je vais la relire, je vais m'éclater. Je j'ai pas du tout accroché à la version papier. Euh, je la trouve très longue, beaucoup de textes, euh, beaucoup de dialogues inutiles, etc. Ça, typiquement, euh, je vais me la relire parce que j'aime bien quand même relire une série avant de la revendre pour euh, être sûr que j'étais quand même dans le bon mood et que, et que voilà. Et derrière, ben, je pense que je la revendrai. Et ça, ça fait 5 volumes. Et ça va être plein de séries sur lesquelles ben, pas je n'ai pas d'affect, je ne la trouve pas euh, indispensable à mes yeux, et ben je la revendrai. Et j'en ai plein parce que ça fait longtemps que je n'ai pas revendu des séries et au fur et à mesure, je vais revendre, je vais revendre. Voilà, bah, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vendu mes Old Boy. Ça me, ça... En plus, ils sont disponibles sur mon Je me suis dit, bah, c'est très bien, J'ai pas besoin de, de faire ça. Je, je, vais faire un, je peux faire un live spécial Poisson d'argent, hein, Boris. Attention, hein. je peux te parler pendant deux heures et demie de, de, de Poisson d'argent et te montrer tous mes livres abîmés. Il n'y a pas de souci. Alors oui, là, je pourrais mettre ça sur des rails, euh, je pourrais aussi euh, créer des robots euh, qui me les poussent, euh, des, des, euh, je pourrais peut-être voler un robot Amazon qui m'amène mon, mon livre et qui me le choisit, etc. Mais je pense que je vais m'arrêter là malgré tout, parce que ça risque euh, peut-être d'être un peu compliqué. Ça, ça reste une chambre, <laughs> ça reste une, la taille d'une chambre. <laughs> donc voilà, donc pour répondre à ta question, euh, d'or. Euh, je pense que je vais plutôt faire ça en fait, je vais commencer déjà à revendre au fur et à mesure, j'ai encore de la place en fait, hein. j'ai encore euh, facilement une demi mangatèque qui est vide, voire peut-être les trois quarts d'une mangatech parce qu'il y a beaucoup de livres, on ne fait pas attention mais euh, j'ai mis la couverture comme le Hayako au fond là, hop là il y a mon petit doigt là, là. le petit Hayako au fond, ou euh, je ne sais pas si on voit ici... Euh, là par exemple j'ai de la place ici, là. Hop. Non, ici comme ça. Ici. Et j'ai des livres, genre le planète et choses comme ça, qui sont, euh, qui sont de face. Et tout ça, c'est je peux rajouter au moins 10 bouquins. Quoi. Donc j'ai de quoi acheter encore 300, 300 ou 400 bouquins sans problème avant d'être bloqué. Quoi. Donc ça, ça c'est cool. Voilà, et euh, du coup, euh, effectivement, si quelqu'un s'y connaît dans les, euh, les cryptos, les, la blockchain euh, et tout ça, moi, je vais bien lancer les, les coins euh, sans problème. Et euh, si on peut se faire un peu d'argent là-dessus, euh, pourquoi pas On pourra s'acheter des, des beaux mangas après, euh, ça sera cool, quoi. Donc voilà, en tout cas, tu m'as bien fait rire avec, euh, avec cette proposition. Est-ce que ça répond à ta question Dis-le-moi. Donc voilà, en tout cas, je vais, je vais, vais. c'est l'occasion aussi, c'est un bon exercice de, de trier des séries. Par exemple, moi j'ai May par exemple, ou May de Mushizuki. Moi je l'ai lu. Euh, je n'ai pas euh, plus ce qui fait que ça. Euh, L'aventure est sympa, mais il y a trop de fans service, il y a trop de choses comme ça. Euh, je pense que c'est une série que je vais relire et sûrement revendre à terme. Je n'ai pas un besoin de l'avoir. Euh, ou alors si je la veux vraiment, je me la rachète en numérique et, euh, et ça me suffira amplement quoi, euh, à la place et je m'économiserai de la place. Et il et y a des séries comme ça, il y a des auteurs, des collections, j'ai pas envie d'y toucher, même s'il y a des œuvres auxquelles j'ai moins accroché ou je suis pas fan, mais je préfère garder ma collection. Donc euh, voilà, en tout cas aujourd'hui, moi c'est ce que j'essaye de faire comprendre. Euh, la... Je sais que quand je vais à l'Angoulême, j'en parlerai au lézard noir, je vais dire, il n'y a aucune collection numérique. Et moi, c'est embêtant parce qu'il y a des séries du coup que je n'achète pas chez lui. Euh, typiquement, je n'ai pas acheté le tigre des neiges chez lui, j'ai acheté le premier, mais, mais j'ai beaucoup aimé le premier, mais pas au point de le collectionner. Par contre, je l'aurais eu euh, en numérique, je l'aurais acheté sans problème en numérique. Parce que euh, ça a l'air très cool à lire. Et, euh, et c'est là où euh, le numérique, pour moi, est une excellente alternative euh, pour pallier à ça. Et je pense que Mangabada, c'est tout à fait d'accord avec moi, n'est-ce pas, le numérique Hop, admirer ma technique de, de remise d'élastique. De, voilà. Euh, très bien. Allez, il est déjà euh, 21h45. Je pense que beaucoup attendent euh, les, les achats et lectures. Et il y a pas mal de, 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 de choses. Le numéro, c'est Satan. Qu'est-ce que tu veux dire, Evil Sieg? J'ai pas compris. J'ai pas compris ta petite blague. Ça leur rapporte rien financièrement. Après, euh, ça rapporte rien parce que le nombre de ventes euh, n'est pas là, parce qu'aujourd'hui tout est focalisé sur le, sur le papier. Euh, ça rapportera euh, le jour. Ah, le numérique, c'est Satan, ok. C'est pas le numéro, c'est le numérique, ok. C'est un euh, numérique, le fléau, moi je dis. Le... Donc du coup, euh, je, je, je pense faire une vidéo sur le numérique. Je, je, je suis en train de, enfin, elle est déjà écrite en fait depuis six mois, mais je ne je l'ai pas tournée en vérité. <laughs> ça fait six mois que je l'ai écrite. Il faut que je la, il faut que je la lèche parce que j'ai mis tellement de trucs. Elle, elle va être trop longue. Euh, et donc du coup, ça rapporte rien, mais parce que les ventes ne sont pas à la hauteur. Et le deuxième problème du numérique aussi, c'est qu'ils passent par des plateformes et donc ils perdent de l'argent. Et il faut qu'ils arrivent à développer et vendre en direct. Moi, si Les Noir me vend ses livres en direct, je les achète directement sur son site et qui seront sûrement en plus sans DRM et que je pourrai disposer comme je veux et pas pour les partager sur des réseaux. Mais je pourrais potentiellement prêter à un ami pour le faire découvrir, euh, des choses comme ça. Et moi, en plus, ben, je suis libre d'utiliser comme je veux ce, ce fichier comme quand j'ai acheté mes Tezuka sur, sur e-manga.com, qui sont, qui sont la boutique de, de, qui vendent les Tezuka, ben, ils sont sans DRM, et ben je peux en faire ce que je veux. J'ai un magnifique e-book, ben je suis hyper content. Moi-même, je les ai transformés en zip parce que je préférais les lire avec un autre lecteur. Ben, J'étais hyper content. quoi. Et, et ce n'est pas pour autant que je les ai partagés à Google et, et compagnie. Donc... Euh, donc ça, il faut que les éditeurs aussi, ils, ils développent une petite solution maison qui sont juste déjà de distribuer les fichiers. Euh, et ça, et ça, ça tient qu'à eux de, de faire ça. Et ça rapportera le numérique à ce moment-là. Puis bon, malgré tout, même si les gens sont assez réfractaires, une fois qu'on a montré que c'est un bon complément et que ça marche bien, généralement, ils changent d'avis. Mais ça, voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Bibi92. Moi aussi, les DRM, ça me bloque absolument. J'ai quasiment acheté assez peu de numérique au final. Euh, J'adore lire en numérique, mais, euh, mais je ne veux pas euh, dépenser dans du DRM. Voilà. Mais en fait, non, euh, Mangabadas, parce que ton livre, il sera quand même sur Internet, avec ou sans DRM. Euh, et, et ça, c'est un truc, en fait, les, les protections numériques ne font que... Euh, comment dire, ne font que amuser les pirates à désinguer les protections. Et euh, au final, le mec qui veut te le pirater, il te le piratera quand même, parce qu'il prendra un screenshot de ton écran, il fera n'importe quoi. Mais les mecs, ils, ils vont photocopier des livres, scanner des livres. Donc au bout d'un moment, euh, ça sert à rien. C'est comme la musique, c'est comme les films, c'est comme tout ça. Euh, est-ce que le le fait d'avoir enlevé les DRM et compagnie, est-ce que le, le piratage a explosé C'est pas vrai. Quand tu aimes quelque chose, tu achètes euh, parce que tu as envie de, 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 de faire vivre euh, l'œuvre, les choses. Les gens qui ne veulent pas dépenser et qui pirateront, ça jamais rien dépensé. Dans tous les cas, ils ne dépenseront pas. Ils ne dépenseront rien du tout. Donc, euh, et très souvent, c'est ça. Et moi, le premier, pendant, euh, pendant, la, la, pendant longtemps, moi, la musique, euh, j'ai pu télécharger des dizaines de CD, des centaines de CD. Le jour où des Spotify sont arrivés, je me suis abonné et j'ai tout dégagé. J'ai tout dégagé immédiatement. Moi, je suis abonné à Mangayo. Euh, et ben, même si je ne m'en sers pas autant que je, je voudrais, et puis le catalogue là, vraiment commence à se développer. Mais malgré tout, je suis abonné parce que je crois à cette solution-là. Et, euh, et c'est beaucoup plus simple de ne ben, pas se prendre la tête, d'aller sur le catalogue, tu lis et puis tu lis ta série. Quoi. Donc voilà, donc euh, moi voilà, je ne suis pas convaincu. C'est une fausse, une fausse raison, une fausse excuse. Euh, de, de dire le piratage, le machin, tout ça. En tout cas, le, le, le passé a montré que c'était pas ça. Et puis, quand tu as déjà euh, tous les livres qui sont déjà dispo euh, gratos sur des sites pirates euh, ou euh, scannés, euh, scan tradés ou en anglais, au final, euh, te... c'est voilà. se moquer un petit peu. quoi Alors, allez, commençons un petit peu les lectures. Alors, ça va être lecture achat parce qu'en fait, ce que j'ai fait ce mois-ci, j'ai beaucoup... Euh, ah, attends, je, je finis, désolé, je vais je comme ça, mais j'ai pas lu le, le chat, désolé. Le piratage peut être être profitable pour les éditeurs en certains cas. Oui, le piratage peut être profitable, puisqu'il y, y a certains trucs. Clairement, moi je les ai lus en piratage et en pirate et euh, je les ai achetés direct parce que j'ai trop kiffé et, euh, et je voulais absolument euh, l'avoir euh, donc soit en physique, parce que je ne dis pas que le, le, le physique disparaîtra, au contraire c'est un très bon complément. Mais par contre, il le, le, y a des séries, où je donnais l'exemple de Doro et Doro, si je ne l'avais pas lu en piraté, je ne l'aurais jamais acheté. Et je serais passé à côté. Et là finalement, j'ai acheté 23 volumes. Donc, on peut dire que Soleil est quand même hyper gagnant pour un mec qui s'est fait chier à scanner les pages. Quoi. Donc, voilà. Bien preuve que, que ça marche. Après, je ne dis pas que mon cas est une généralité, mais je dis juste que ça, que ça marche. Bon, allez, on va arrêter sur le, <laughs> le numérique. Merci Dorothée d'être passée. À la prochaine. Alors, les achats. Que se passe-t-il pour les achats Alors, comme je disais. Ce mois-ci, euh, j'ai acheté beaucoup. Euh, parce que, en fait, euh, j'ai acheté en début de mois, euh, en fin de mois, donc, ce qui fait que ça s'est mal raccordé. Donc, j'ai acheté beaucoup ce mois-ci. Et en plus, je me suis dit, je vais tous les lire. Enfin, le maximum. Donc, euh, et j'avais beaucoup de suites de séries. Ce qui fait que je me suis dit, bah c'est l'occasion de parler de la série, à y être. Donc, on va prendre le temps. C'est déjà 21h, euh, là, il va rester, on va dire, une heure et demie ou 40. On va prendre le temps, et on va discuter de ça. Donc, voilà. Euh, donc Manga Badass qui, euh, mais tu aimes, tu aimes le papier Manga Badass qui aimes. tu aimes bien les avoir moi honnêtement il y a des séries maintenant ça, je, je m'en moque de les avoir en 100% numérique tant que je peux les lire ça me, ça me suffit euh, et il euh, n'y a, a que quelques auteurs parce que c'est le plaisir de la collection mais il y a plein de choses que je pourrais euh, n'avoir qu'en numérique si je n'avais pas en, en papier déjà quoi. aujourd'hui alors le premier livre que j'ai acheté alors je rappelle euh, au niveau des achats euh, je rappelle, je l'ai dit en début de vidéo. Euh, si euh, vous voulez soutenir la chaîne et si euh, vous commandez en ligne, vous pouvez passer par les liens affiliés qui passent par une librairie indépendante. Ça, c'est nouveau. Avant, j'avais des liens Amazon. Effectivement, les liens Amazon, euh, on me disait que voilà, le, le, ça posait problème parce que beaucoup n'aiment pas Amazon et je peux le comprendre. Donc j'ai trouvé une autre boutique, un autre partenaire qui s'appelle BDFUGE. BDFUGE, c'est le premier réseau de librairies indépendantes, donc il n'y a pas beaucoup de librairies et ils proposent un partenariat. Ce qui fait qu'en fait, vous vous commandez les livres chez eux en passant par les liens qui sont en description, que je les mettrai après la vidéo, où vous pouvez les trouver sous toutes les, toutes les vidéos. Moi, je touche une petite rétribution et indirectement, en fait, vous participez à la chaîne et ben, ça permet de payer ben, le matériel, ça permet de, de payer des choses comme ça pour vous proposer ben, des vidéos ben, toujours plus qualitatives, etc. Euh, voilà, moi je sais que euh, j'ai pas mal investi, on va dire, dans, dans le matériel. J'aimerais bien acheter des nouveaux, nouvelles choses, etc. Mais on va dire, je vais un petit peu me, me calmer euh, de, de ce côté-là. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne et euh, l'aider à, à se développer, euh, ben ça, vous coûterait de plus et, euh, et ça fonctionne. Et donc, voilà. Et bon, c'est une librairie sérieuse, donc il y aura aucun problème. Donc, rappelez-vous, donc les liens affiliés, tout ce que je vous présentais sera disponible, bien sûr, euh, sur ce site. Euh, donc le premier c'est Mitochon Armageddon. Qui a lu ça Mitochon Armageddon. Dites-moi, là je suis curieux. Parce qu'apparemment, au vu des ventes que fait cette série, il n'y a pas gros succès. Alors il faut savoir que Mitochon Armageddon, c'est euh, le fameux... Euh, euh, Man Mangataro -Man, oui, ou Man Man qui dessine ça. Et en fait, il a décidé, alors lui, il est très trash dans son, dans son dessin. Et euh, donc, il y a 6 volumes. On a attendu le 4 pendant très longtemps. J'ai enfin lu le 4 parce que ça, je l'ai lu au fur et à mesure. Hein. C'est une des rares séries que je lis au fur et à mesure. Et en fait, c'est une parodie de Dragon Ball, mais une parodie tellement barré, c'est tellement n'importe quoi, et des fois il part dans des tri pour nous amener dans un truc, et, et on fait... Oh, c'était ce passage de Dragon Ball, en fait. Mais, et c'est du génie, c'est du génie. Donc, euh, ça... Euh, alors, je fais attention parce que euh, c'est très cru, et il y a beaucoup de scènes... Il oh, y a beaucoup de scènes trash. <laughs> Mais euh, voilà, donc euh, ça, ça a beaucoup de... Beaucoup de... Il... Enfin, le dessin est très particulier hein, comme vous voyez salut euh, uh, Vic Manga bienvenue à toi on parle de mes achats euh, lecture là de ce mois puisqu'avant on a eu euh, fait toutes les questions et, euh, et donc du coup voilà ils partent vraiment à la recherche de Boulot Dragon c'est la petite fille et ça parodie tout ça se moque de tout ça respecte rien euh, ça respecte même pas Dragon Ball euh, et c'est génial à lire c'est juste excellent et du manga taro. moi je regrette vraiment que, que cet auteur il marche pas en France parce que j'avais lu Heartful Company et c'était euh, hilarant, j'ai vraiment rigolé euh, sur Heartful Company mais à haute voix tellement que c'était idiot parce que ça joue beaucoup sur l'humour de répétition. Et là c'est pareil, ça joue sur l'humour de répétition. Donc, euh, donc là, je fais attention parce qu'il y a des scènes et euh, des scènes crues euh, dedans et, euh, et c'est très 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 drôle. Donc si vous n'avez jamais euh, lu euh, Mitochon Armageddon euh, mais faites-le parce que ça c'est vraiment, euh, vraiment génial et, euh, et il reste que deux volumes je ne sais pas comment ça va terminer ça va mal terminer c'est sûr parce que ils ont rien fait comme aventure en, en quatre volumes mais c'est tellement drôle voilà. et à chaque fois et à chaque fois c'est toujours des, des, des visages et des personnages mais totalement barrés quoi totalement barrés Bon, voilà, donc euh, si vous aimez le trash, euh, si vous aimez le trash, euh, l'indécent et, euh, et, la, la, et le, la parodie de Dragon Ball, mais vra vraiment version, euh, euh, version très particulière et non respectueuse, voilà, ça c'est. Il euh, faut y aller. Alors, euh, j'ai l'impression que ce manga n'a pas mis tout le monde d'accord. Mais c'est tellement particulier, ça sort tellement des, euh, de, de ce que tu peux lire habituellement que c'est normal en fait. C'est normal parce que le, le graphisme, la narration, tout est spécial. Et de ne pas aimer, je peux comprendre. Je peux comprendre. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je kiffe. Et euh, en France, il pourrait tout sortir, j'achète tout. Il n'y a aucun souci. Même si à chaque fois, on retrouve les mêmes blagues. Hein. Parce qu'une fois qu'on connaît les blagues de l'auteur, en fait, quand il revient avec ses blagues, on rigole parce qu'on les connaît. Et, et c'est ça, sa force, en fait. Et plus tu connais l'auteur et plus tu rigoles. Donc, Mitochon Armageddon. Allez acheter Mitochon Armageddon. C'est trop bien. Donc voilà, je, je vais vite parce qu'il y a pas mal de titres et, euh, et là c'est plus une petite présentation comme ça, ça reste de la lecture euh, euh, comment dire, de, de, de suite. Le manga suivant, on va s'attarder un petit peu plus. Euh, c'est un manga que je pense pas mal ont lu. Natsuko Nosake. Qui l'a lu celui-ci je que mon gabada, tu l'as lu toi. Hop. La princesse du château sans fin. Euh, lui, je l'ai, je déjà en anglais en fait. Et euh, pardon. Et je l'ai, je déjà critiqué euh, sur euh, sur mon sur Twitter, euh, sur Instagram et compagnie. Et je l'ai même en deux exemplaires en anglais, un très grand format et un format classique parce que. Bref, j'étais impatient et je voulais le lire. Mais je n'ai pas la version française. Natsuko no Sake. Donc, euh, du coup, euh, lui, je l'ai lu. Alors, en fait, je l'avais lu il y a... Comment dire y a, Je, je l'ai lu sur peut-être 2-3 mois, mais je n'en ai pas parlé euh, avant. Euh, je voulais finir la série avant d'en parler. Et, euh, et je ne sais pas ce si, si qu'il a lu dans le, dans le chat. Mais c'est une série qui est euh, vraiment excellente aussi. Euh, hop là, donc bien sûr, salut Owen, bienvenue à toi. Euh, bien sûr, donc ça parle de saké et euh, ça parle bien sûr de. <laughs> c'est ici le live Helen Ring, tout à fait, c'est ce live. Voilà, sachant que si je joue à ce jeu, je, je vais hurler tellement je vais me faire tuer. Et en fait, c'est l'histoire de, de Natsuko, de qui, euh, euh, comment dire, euh, qui travaille à la ville, etc., mais qui a un palais très développé pour le saké. Et suite à divers événements, notamment la perte de son frère, ce qui n'est pas rien, elle va décider de retourner dans sa, de retourner vite dans sa ville natale et de poursuivre le rêve de son frère, qui était, hop là, je vais passer parce que c'est plus loin, voilà, qui était en fait de faire un saké avec un riz légendaire. Et ce riz légendaire, elle n'a qu'une poignée de graines et il faut qu'elle le euh, il faut qu'elle ben, qu le plante, qu'elle cultive, euh, qu'elle le fait, qu'elle développe ce riz-là, et qu'elle qu crée le meilleur saké. Donc le but, c'est créer le saké de Natsuko. Donc c'est le titre en fait, hein, le saké de Natsuko. Et, euh, et on peut, pendant 6 six gros volumes parce que c'est des gros volumes, hein, c'est épais, donc ça fait je crois 12 volumes euh, à la base. Et bien on va suivre la vie de Natsuko en fait, qui va, ben, se, on le voit ici, se retrousser, retrousser les manches pour euh, réussir ce saké. Et elle sera, euh, ben, bien sûr, euh, en proie à de nombreux obstacles euh, là-dessus. Alors, il faut savoir que quand je l'ai lu, Natsuko no sake, je ne vais pas aller plus loin que le tome 2, rassure-toi, euh, manga badass, euh, Je ne vais pas aller plus loin que ça. Euh, c'est fini en 6 tomes. 6 gros tomes, du coup. Hop, voilà, ça, c'est le dernier. Le 6. Et euh, quand je l'ai lu. Euh, je pense que j'étais pas dans un bon mood parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de rentrer dedans. J'attendais tout le monde, j'entendais tout le monde pardon, qui me disait "Natsuko, c'est juste génial, Natsuko, c'est ma chouchou, euh, le nouveau tome il est sorti, euh, euh, c'est fantastique et tout" et quand j'ai commencé à le lire, je ne sais pas pourquoi, j'étais pas dedans. Et j'ai mis un moment avant de rentrer dedans et quand je suis arrivé à la fin de Natsuko, j'ai fait ce manga il était juste génial. Il était mais super dans tout surtout en fait, surtout il était super. Il était hyper touchant. Euh, il, voilà, je vais revenir en détail dessus. Et, euh, et j'étais déçu de ne pas être rentré euh, dès le premier volume euh, dedans. Et maintenant que j'ai fini, ben, j'ai presque envie en fait, de le relire en fait, pour reapprécier pour ce manga. Euh, maintenant que je connais euh, toutes les étapes euh, par, par, laquelle les personnages, euh, par lesquelles les personnages vont passer. Alors ce qui est très intéressant euh, dedans. C'est que l'auteur qui n'était euh, pas spécialement amateur de saké, puisque ça, euh, c'est vraiment renseigné à fond. Et il va vraiment vous apprendre à faire du saké. Alors, je vous rassure, hein, je ne sais toujours pas faire du saké. Il hein. y a tellement d'étapes, il y a tellement de choses à savoir qu'à la fin, vous ne saurez toujours pas faire du saké. Mais ça, ce n'est pas grave. Ce n'était pas le but du manga, je pense. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a vraiment, on sent un vrai, un vrai investissement de l'auteur, vraiment de l'amour pour le saké. Ces six volumes d'amour pour le saké. Et euh, j'ai juste envie de, de, de goûter tous les sakés qui, euh, qui, dont il parle dans le manga, en fait. Parce que je ne bois pas d'alcool, mais un des rares trucs que je bois, c'est le saké. Et, euh, et du coup, euh, j'ai envie de goûter tous les types de sakés euh, derrière. Donc, j'ai fini Bazara ou Natsuko no saké. Finis d'abord Natsuko no saké parce que euh, il est plus court. Et après, tu pourras te plonger dans Bazara. Tu comprends la logique Voilà. Comme ça, après, c'est bon, tu es à fond dans Bazara. Donc, euh, une phrase d'alcoolique, ça, effectivement, c'est une phrase d'alcoolique. On, on peut devenir alcoolique, je pense, après en lisant ce manga, alcoolique de saké. Et, euh, et du coup, euh, bon, il y a tout cette, euh, cette explication, les différences, euh, ça c'est assez impressionnant. Euh, je ne pensais pas qu'il y avait autant de différences euh, derrière. Et, euh, et ça montre aussi ben, tout le processus de, donc, de fabrication avec des croyances, genre... Charles, euh, il y a un bâtiment qui est interdit aux femmes en fait, elles n'ont pas le droit de venir, euh, des choses comme ça, c'est assez, euh, assez incroyable. Mais ça parle aussi bien sûr ben, de tout le marché, de l'attente du, du public, c'est-à-dire que Natuko qui essaye de faire son, son, son saké, et effectivement on va, on va revenir dessus sur le, la partie bio, écologique, etc. Euh, ben, le truc c'est que euh, elle, elle veut faire un saké comme tu dis de tradition, et en fait le public, ben, lui il ne veut pas ça, il veut juste un saké pas cher, fait en usine sans saveur avec de l'alcool rajouté euh, etc etc et les gens font plus la différence et ne sont pas prêts à acheter du, du, du saké un peu plus cher euh, euh, voire un peu luxueux mais qui, qui sont du saké euh, entre guillemets divin quoi. Donc, euh, euh, donc voilà et c'est vrai que euh, c'est plutôt bien raconté et de montrer la vraie difficulté en fait du marché d'aujourd'hui le marché de consommation donc ça ça parle déjà de tout ce côté là en bas grande. Mais le cœur du récit, parce que ça, c'est des thématiques abordées. Euh, ah oui, et une autre thématique abordée, parce qu'après, je parlais du cœur du récit, c'est aussi justement toute la partie, la difficulté de passer dans une production totalement écologique, donc totalement bio. Et, et puisqu'il y a des pesticides qui sont, diffusés de, qui sont diffusés par avion, etc., ça crée des accidents, ça crée plein de choses. Et, et ça, c'est très impressionnant, c'est-à-dire ce côté. Euh, ce côté justement réfractaire au changement, euh, tous les efforts qu'elle doit mettre en place, en plus d'être un milieu très masculin, bien entendu, puisque Natsuko, euh, tout le monde essaie de la décourager. Et il n'y a que quelques, quelques personnes qui sortent du lot et on les, on les prend tous pour un peu des ulberlus euh, de vouloir absolument euh, faire du bio ou quelque chose de, 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 comment dire, de plus responsable, euh, contrairement à des paysans qui euh, appliquent bête et méchant ce qu'on leur, qu leur dit. Euh, et surtout, voilà, c'est respectueux de la nature. Et on reprend euh, corps avec euh, avec euh, avec la nature, savoir quels insectes sont bons pour les plantations, quels sont mauvais, etc., etc., Donc tout ça, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, très bien raconté. Euh, et c'est des valeurs qui sont euh, qui sont euh, comment dire euh, super positives quoi. Et bien sûr, dedans, ben, ce qui fait plaisir, c'est que déjà on a un personnage féminin qui est euh, euh, qui est un personnage principal, qui est accompagné par d'autres personnages, qui elles aussi vont énormément évoluer, énormément changer. Donc ce n'est pas que Natsuko, mais Natsuko va influencer beaucoup de personnes. Et en fait c'est un manga qui est clairement sur euh, la résilience en fait, c'est-à-dire la résilience de ne pas abandonner ses rêves, euh, de ne pas lâcher, euh, je veux dire malgré les difficultés. Euh, c'est de, de voilà même si elle vit un peu dans ce cette promesse qu'elle s'est donnée à, à son frère euh, mais malgré tout voilà elle va elle va toutes les euh, comment dire euh, toutes les épreuves même si elle va être en proie au doute on va la remettre elle va se remettre en question même si elle peut faire des erreurs etc pour arriver à fabriquer le saké euh, qu'elle a envie donc c'est ça qui est juste génial parce que latsukou en fait elle est euh, c'est euh, comment dire c'est un personnage qui est sur, euh, super euh, comment dire euh, très humaniste très euh, très souriant très positif enfin voilà qui essaye vraiment de donner de son mieux et qui qui, qui essaye vraiment de, 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 de faire avancer le monde d'un côté positif quoi donc tout ça euh, c'est vraiment euh, voilà c'est quelque chose qui euh, qui est extrêmement plaisant à lire sans parler de, bien sûr de euh, ça va parler aussi de, 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 de de, des choix à faire entre sa vie personnelle, professionnelle, etc. Enfin, il y a pas mal de, de, de sujets comme ça. Et le manga, il n'est pas il est pas gnangnan, absolument pas. De temps en temps, il euh, y a des sortes de, de relations un petit peu amoureuses qui peuvent se créer, etc. Mais c'est absolument pas gnangnan, euh, ça joue pas là-dessus. Et il n'y a pas d'érotisme. Les, les, les personnages ne sont pas du tout sexualisés. Ils sont voilà, ce sont des personnages féminins point et euh, donc il y a pas de sexe, il y a pas d'érotisme, il n'y a pas tout ça et, euh, et c'est plaisant en fait d'avoir un manga juste qui se concentre sur euh, un message, un vrai message d'espoir euh, pour pour toute une comment dire toute une partie bah, de euh, du saké, de personnages, d'une génération etc. Donc quand on fait le bilan ben bah, oui c'est un excellent manga euh, et je peux que vous recommander de lire euh, Natsuko no Sake ». Et je me suis régalé à le lire. Et je regrette moi-même de ne pas avoir réussi à être rentré dedans. Et je pense que euh, je devais aussi être fatigué euh, quand je le lisais. Et j'avais du mal à, à rentrer dedans. Parce que niveau graphisme, c'est tout à fait ce que j'aime bien. Hein. Un graphisme très euh, très old school hein, des années 80. Euh, euh, qui est très efficace en fait. Voilà, Qui est simple et efficace. Et qui est très détaillé euh, malgré tout. Quoi. Donc voilà pour Natsuko Nosake. Je pense que je. Assez dit. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rajouter des choses dans le. Dans le, dans le chat. Alors, il y en a qui sont motivés pour voir du saké apparemment. Hein, ça, ça donne envie. Voilà. Euh, oui, effectivement, euh, David, euh, comme Magabal a dit, oui, c'est le saké c'est la colle de riz, mais dedans, il y a plein de gammes après euh, derrière. Donc, euh, voilà. Euh, le Owan, le meilleur Vega du puits pour toi. Euh, non, il arrive en deuxième. Le meilleur, le meilleur, c'est celui-ci. Journal d'une vie... Oula, pardon. Ma chaise a accroché ma table basse. Hop là. Vous voyez, euh, attention, euh, j'ai du, euh, du matos de haut niveau. Ça, c'est le meilleur Vega du puits, c'est le journal de mon père, mais Natsuko Nosake arrive juste après. À... Très, très 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 proche donc voilà mais euh, journal d'une vie tranquille j'avais déjà parlé la dernière fois ça c'est juste fantastique donc euh, achetez euh, journal d'une vie tranquille j'aurai l'occasion d'en reparler euh, mm -hmm. une autre fois voilà et j'ai hâte que le quatrième sorte rapidement donc voilà euh, donc Natsuko no sake ça fait quand même euh, hop hop bon, ils sont dans le désordre hein, mais ça fait six beaux pavés hein, comme ça à lire. Et c'est génial. Je crois que j'ai plus de place. Attends, on va les mettre là. Voilà, j'ai plus de place. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite Alors, Si vous avez euh, des trucs à ajouter, euh, n'hésitez pas. Euh, ah, pour le journal de nuit tranquille, tu préfères Vide Mizuki. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil. Pas la même, c'est comme c'est pas le même format, etc. Mais moi j'aime beaucoup ce format très court que, que l'auteur Shiba la Shiba propose, parce que je trouve que ça c'est comment dire, c'est efficace en fait. Tu vois, c'est simple, c'est efficace. Et, euh, et j'aime bien euh, ces petites histoires de, de quelques pages. Ville Mizuki, c'est vraiment une romancée, une autobiographie euh, assez longue et, et, et dans le troisième volume, je regrette qu'il ne s'est pas un peu plus concentré sur ses œuvres les plus marquantes. Il se concentre sur sa vie de tous les jours, ce qui est cool, mais j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus dans ses œuvres marquantes à la fin. Par contre, Ville Mizuki, j'en ai parlé déjà la dernière fois dans mon dernier live, et ça fait partie de mes Mizuki préférés, bien entendu. Et ça serait le Mizuki que je vous conseillerais d'acheter pour, pour, pour découvrir l'auteur. Je vais parler de Mizuki tout à l'heure d'ailleurs. Bientôt. Je, je descends ma pile <laughs> telle qu'elle est. Alors, le manga suivant. Le manga suivant. Euh, puisque là, c'est bon, je crois que Natsuko, euh, on a fait le tour. Hein. Je, je pense que je n'ai pas plus à dire. Euh, c'est euh, si bon volume euh, sur le saké euh, Donc, c'était juste génial. Euh, pose la question, euh, Bégita. J'essaierai d'y répondre peut-être tout à l'heure, à la fin. Euh, sauf si c'est sur les lectures, ça, j'y je, je réponds de suite. Hein. Comme ça, euh, histoire de rester dans le. Dans la même thématique. Donc euh, voilà. Euh, bah, je vais te répondre vite fait. Une sacrée mamie, je l'ai déjà lu. Euh, je vais pas l'acheter parce que une sacrée mamie, j'avais euh, adoré le début parce que euh, c'est hyper émouvant. Euh, j'avais les larmes aux yeux au début et tout, c'est super touchant. Euh, par contre en fait, euh, c'est autobiographique, mais plus ça va et plus on sent que c'est moins, c'est romancé. Et je trouve que la série, elle est un peu longue, en fait, en termes de, en, en termes de, de nombre de volumes. Euh, il aurait fait peut-être euh, 6-7 volumes, ça aurait été parfait. Le fait qu'il en fasse, je sais plus, 11 ou un truc comme ça, euh, je trouve que à la fin, avais, euh, je, je m'ennuyais un peu dans les histoires. J'étais moins dedans. Au début, j'étais à fond dedans. Et au fur et à mesure des volumes, j'étais un peu moins dedans. Ça reste une excellente lecture. Attention, hein, je dis bien ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Ça reste une excellente lecture, une sacrée mamie, donc... Moi je te conseille de l'acheter parce que c'est très très bon. Mais euh, ça aurait été plus court. Euh, pour moi, ça aurait, été, ça aurait été parfait. Mais par contre, c'est quand, quand même plaisant à lire. Et quand on aime l'univers, on aime les personnages, bah, du coup, on se laisse totalement embarquer. Et c'est pas grave qu'il y en ait euh, qui ont 11, qu 11 volumes d'origine. Donc c'est pour ça que je ne l'achèterai pas. Et si je dois l'acheter, effectivement, ce sera une version numérique qui m'ira très bien. Qui connaît ce manga, le vieil homme et son chat. J'ai acheté le numéro 7. Donc ça, c'est une suite de série. J'en ai jamais parlé encore sur, euh, sur la chaîne. Qui connaît ça oh. Il a emballé, j'ai la flemme de le déballer. Voilà. Euh, c'est à cause des poissons d'argent. Tu vois, on, a, on, on le fait le passage poisson d'argent. Je ne l'ai pas oublié. Alors, du coup, euh, le vieil homme et son chat. Qu'est-ce que c'est que le vieil homme et son chat Bonne soirée, Vegeta, avec plaisir. Euh, donc en fait, c'est une BD, enfin fait, c'est un manga tout en couleur, tout mignon, et qui raconte en fait l'histoire. Euh, ça se passe sur une île, et, euh, et en fait, c'est une île de petits vieux. En fait, il n'y a que des petits vieux sur l'île. Il y a quasiment plus de jeunes. Ils sont tous partis c'est tout en couleur comme ça, en couleur pastel. Hein. Et ça raconte l'histoire de ce petit vieux là, tout mignon, avec son chat euh, un peu capricieux, euh, etc. C'est un manga, oui, c'est un manga. Et, euh, et, euh, et du coup, ça, en fait, c'est... Je vais reprendre un peu mes notes parce que... Euh, hop là, voilà. Moi c'est un gros coup de cœur, hein. que ce soit clair. Euh, chaque fois, chaque volume, à chaque fois, c'est hyper mignon, c'est hyper touchant. Parce que ça, ça développe en fait tous les personnages au fur et à mesure, ça, ça joue sur l'accord sensible, sur la nostalgie. Il y a beaucoup d'humour avec des petites scènes du quotidien et ce chat là qui, qui profite un peu de la situation euh, gentiment. Euh, c'est très bienveillant. Euh, y a, voilà Même quand les voisins, les petits vieux là, ils se crèpent le chignon là comme des, comme des cochons, euh, dès qu'il y en a un qui a à malaise, de suite euh, ils sont là, ils s'inquiètent pour l'autre, euh, ils s'occupent d'eux. Enfin, c'est hyper mignon en fait. Et, euh, et c'est un manga qui est feel good. Quand tu lis ça, tu te sens bien après. Tu te sens bien. Et moi, je peux que vous conseiller de lire euh, ce manga. Parce que j'y croyais pas au début. Je l'ai acheté un peu comme ça. Euh, sans plus. Et c'est vraiment un coup de cœur. Je vais vous montrer le premier volume. Allez, tant pis. Je vais le déballer. Ouais, vous voyez, ça, c'est... Je suis totalement investi pour vous. Je déballe tout. Alors, et Bill, je sens, je sens la blague arriver. Voilà, donc ça, c'est le premier volume. Donc, euh, voilà, on, on voit de suite les petites couleurs. Euh. Alors, c'est pas le. Non, non, c'est pas le même. C'est pas le même. Je... Laisse-moi vérifier, mais euh, ça, ça ressemble, mais c'est pas le même. Ah, il est là. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais euh, graphiquement, effectivement, ça. Ça ressemble. Oui, mais je sais, Evil, je te connais. De toute façon, si c'est pas toi, c'est Owen qui troll. Alors, euh, et donc, du coup, ça suit, en fait, l'histoire voilà, de ce petit vieux euh, qui, a, qui est veuf, en fait, derrière. Et on kiffe. En fait, honnêtement, on kiffe tous les personnages. Euh, tous les... Euh, comment dire euh, Tous les petits vieux, les habitants de l'île, euh, etc. Donc, je dis, c'est hyper, hyper touchant, hyper émouvant. Et en fait, chaque volume... Ça se passe selon les saisons, c'est-à-dire que c'est printemps, euh, été, automne, hiver. Voilà, je vous fais un peu réviser les saisons si vous les avez oubliées. Et, euh, et du coup, voilà, ben, on passe à l'été. Et euh, comme un yaku, en fait, ça, on dirait un peu le... le, le, le on suit une sorte de yaku, C'est très... très euh, voilà, c'est comme je dis, c'est très gentil, c'est très bienveillant, en fait. Donc, euh, je continue à les acheter. C'est à chaque volume, c'est un petit bout de plaisir et ce n'est pas le genre de livre. Qu'on va lire euh, d'une traite. C'est vraiment, euh, <laughs> c'est vraiment en fait le, un truc vous allez lire une saison, vous vous arrêtez, le lendemain vous lisez notre saison, vous continuez, etc. Et, euh, et c'est juste euh, voilà, un plaisir à lire. Donc, ça, gros coup de cœur, hein, via Même son chat. Le seul truc que je pourrais dire, c'est il euh, y a déjà sept volumes, attention que ça ne devienne pas le volume de trop, on ne sait jamais, mais pour l'instant, il arrive toujours à relancer la magie à chaque volume. Donc n'hésitez pas à tenter cette série-là. Moi, je vous la recommande absolument. Personne n'en parle de cette série, et c'est bien un manga. Par contre, effectivement, les librairies, les librairies euh, le mettent souvent dans le rayon BD par son graphisme, etc. Euh, un truc où, où je vais me plaindre, par contre, c'est euh, l'édition. L'édition, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est encore une édition cartonnée, là, vous savez, qui est pas plastifiée. Alors, on les reçoit, ils sont déjà un peu abîmés, donc ça, c'est un peu chiant. Et moi, je suis obligé de foutre tout plastique parce que ça, les poissons d'argent, du caviar pour eux. Ça, c'est du caviar. Donc voilà. Donc le VM et son chat, extrêmement cool, extrêmement feel good. Si vous êtes un peu stressé dans la vie, lisez ça, ça va vous faire rire. Ça vous peut faire passer un excellent moment et oublier vos problèmes. Voilà qui va l'acheter et dites-le, personne. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Vous savez, vous pouvez me faire confiance. <laughs> en tout cas, s'il y en a qui ont envie d'acheter justement ou découvrir, n'hésitez pas à le dire. Tout euh, à l'heure, j'ai vu, il y en a qui disaient pour euh, Natsuko no Sake, ça les tentait. Euh, voilà, peut-être qu'il y en a que ça attente ce, ce manga-là. Donc, euh, n'hésitez pas. Hop. Eh, dans le panier, Zeno. Euh, dans le panier BD hein. attention. Hein. Avec mon lien, j'espère. Hein. Non, non, je plaisante. Il n'y a pas d'obligation de passer par le par le lien. C'est une petite blagounette. Mais en tout cas, euh, comme je vous ai dit, si euh, si vous voulez euh, le, le, soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par les liens, puisque après la vidéo, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc euh, du coup, euh, euh, ça voilà, c'est super cool si vous, si vous passez par là. Manga suivant, on va parler un peu d'horreur, puisque enfin le dernier volume d'Orochi de est sorti. Et Orochi, c'est une autre série, comme Le Vieil Homme et son Chat, euh, ou euh, juste avant uh, Mitochon en c'est une série que je lis régulièrement. Une des rares séries que je lis régulièrement. Euh... Ah, Evil Sieg, j'avoue j'aime le goût des livres de Juju. Euh, je ne me rappelle pas que tu aies léché mes livres en fait pour savoir s'ils étaient euh, de bon goût. Voilà. Bon, j'arrête cette blague. Donc, uh, Orochi, qui lit du Humez Qui, lit, qui a lu Orochi Dites-moi tout. Qui aime, Oro... qui aime Humez le problème c'est quand je fais des blagues, en fait, comme il y a un décalage, moi je lis le truc et dix secondes après ça réagit. Donc du coup, euh, Orochi, et eh ça y est, on arrive à la fin, quatrième volume. Donc je me suis dit c'est l'occasion d'en parler un petit peu, de pas faire une, une review hyper longue dessus, mais de euh, mais là, non, je ne vais, je vais pas trop montrer la suite. Alors, Orochi, il faut savoir, de toute façon, c'est des histoires courtes, euh, indépendantes. Hein, donc, euh, on peut les lire un peu dans le désordre, ce n'est pas, pas, pas grave. Il n'y a pas d'évolution. Euh, donc, Big Manga, tu n'as lu aucune œuvre de l'auteur. Eh bien, écoute, la prochaine fois, je pourrais sûrement, euh, au prochain live, te montrer plein d'œuvres de l'auteur si, euh, dans les trois heures, on a le temps d'arriver à Humez. Euh, donc Orochi. Euh, alors si vous devez découvrir Humez, peut-être pas par Orochi, mais peut-être plus par L'école emportée euh, ou Baptism. Euh, voilà, ça c'est clairement euh, un, une œuvre que je vous, je vous conseillerais, Mais ça, euh, ça voilà, c'est euh, moi j'aime beaucoup euh, Orochi. Alors il faut savoir que humez, c'est une des références. C'est une des références de Junji Ito. Euh, et humaine et, et Orochi fait beaucoup penser à Tomie dans le fait que c'est une fille qui revient etc même si euh, ces deux histoires qui sont euh, très très différentes hein. et donc euh, en gros euh, c'est euh, la petite Orochi qui se retrouve toujours dans des situations euh, dans euh, hop là alors c'est très old school dans le dessin moi j'adore euh, qui se retrouve en fait dans une situation mais hormis dans le premier chapitre où elle est clairement actrice enfin de de de, de l'action dans les autres chapitres, elle va être surtout spectatrice. Elle va quasiment plus interagir. Donc elle va être plus là pour, pour décrire l'histoire. Une sorte de narratrice de, de, qui de temps en temps va intervenir, mais de façon très ponctuelle. Et là, ce qui est cool avec Orochi, c'est que euh, ça, ça nous montre en fait le L'horreur humaine, en fait. On n'est pas sur de l'horreur de monstres, etc. Même si dans le premier chapitre, il y a un peu de fantastique, on n'est plus sur l'horreur humaine. Qu'est-ce que l'humain est capable de faire <coughs> comme pire horreur Qu'est-ce qu'elle cache au fond d'elle, en fait euh, Au fond d'eux, pardon. Euh, etc., etc. Et donc, du coup, c'est des histoires. D'ailleurs, dans le volume 4, la dernière histoire, elle est affreuse. Elle est affreuse, mais elle est, elle est, elle est, elle est excellente. Donc, de manière générale, Orochi. C'est une très bonne lecture. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Orochi, même si euh, y a, tout n'est pas euh, au top. Il y a quelques inégalités dans les, euh, dans les histoires, mais de manière générale, j'ai pris un grand plaisir à les lire. Il faut savoir que Humez, une de ses spécialités, un peu euh, ben, comme Tezuka, comme tout ça, etc., c'est qu'il ne te dit pas vers où il va. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu lis une histoire, il faut vraiment que tu arrives à la fin de l'histoire pour savoir jusqu'où il a voulu t'amener. Donc, toutes les situations. Ben en gros, euh, tu, tu suis l'action, tu suis l'action, tu suis l'action, tu ne sais pas où ça t'amène, et jusqu'à arriver ben, à la conclusion, en retournant de situation. Salut à toi, Emanon, bienvenue. Emanon, qui est souvent là aussi, merci de ta fidélité. Donc, du coup, euh, donc, du coup voilà, c'est euh, euh, des histoires courtes, mais courtes dans le sens, des fois, elles font 150 pages, hein, donc elles sont quand même assez longues. Mais euh, voilà, c'est pas les histoires qui se suivent euh, directement. Et cette horreur humaine, elle est, elle est très sympa parce qu'Humez, quand on parle d'horreur, on a souvent tendance à parler d'horreur euh, des sortes de jumpscare et, euh, et des sortes de comment dire de monstres, etc. Alors qu'en vérité, il y a plein de formes d'horreur euh, derrière et souvent l'associer à ce genre-là. Et Humez, c'est un spécialiste de cette horreur euh, humaine euh, insoupçonnée, on va dire. Hop là, les os. Et euh, donc, voilà, moi, je peux que vous recommander de lire du, du Mezou avec les titres. Peut-être d'abord, euh, je vous ai conseillé. Et, euh, et peut-être, pourquoi pas, il euh, ne faut pas hésiter après à, à aller dans, vers la collection Les Armoires. Il n'y a, ah, a quasiment y a rien à jeter pour moi hein, dans, dans, dans ce que Les Armoires éditent. Donc, euh, c'est juste qu'en termes de porte d'entrée, peut-être que L'École Emportée au Baptisme sera une histoire complète et vous plongera plus dans euh, les gimmicks aussi de l'auteur puisqu'on a souvent des visages... Euh, comme ça. Voilà, des visages apeurés. Je sais pas si on voit bien. Voilà, des, des visages un peu comme ça, des visages apeurés, euh, avec un fond noir. J'essaye de, de trouver. On va peut-être pas voir euh, comme ça. Voilà, c'est ce genre de visages là Donc vous allez souvent retrouver un peu des visages euh, un peu figés, mais ça fait partie du charme, en fait, de, de, de cet auteur. Donc c'est ça qui est, qui est intéressant dedans. Et, euh, et puis aussi de. De connaître Humes, qui est ben, la référence euh, de bah ben, ça, pareil, c'est génial. C'est génial. Euh, donc voilà, donc euh, je ne peux pas dire plus parce qu'après, ça serait dévoiler les histoires, euh, ça serait dévoiler euh, euh, ce qui se passe à l'intérieur, mais partez du principe qu'à chaque fois, euh, les humains, ils ont des choses à se cacher et ils sont, ils sont prêts à faire les pires bassesses pour. Euh, euh, cacher leurs secrets de vengeance, euh, etc. etc. Et, euh, et on voit, hein, des fois c'est un petit peu sanglant, des fois ça l'est pas. Euh, il faut pas le. le comment dire euh, C'est très aléatoire. Donc voilà. Euh, donc pour ça. Alors, euh, Guéguégué qui nous dit Au euh, oh, rocher dans ma pile. Alors, tu as pu lire 4 Ice Boys en anglais bon, Je n'ai pas eu encore l'occasion de le lire. Donc ça, il faut que je le. Il faut que je le lise justement. Donc ça, ça peut être, euh, ça peut être, euh, c'est une, une série où ouais, il faut, que j'arrive à, à la trouver et me poser pour la lire. C'est plus le temps. Mais, euh, mais moi, j'ai envie de lire de tout, humain, de toute façon. Euh, donc manga badass. Donc j'avoue que le dernier tome de Baptism m'a pris au dépourvu. Alors, la, moi, j'adore l'histoire de Baptism. Je pense que c'est mon préféré hein, entre l'école emportée et celui-ci. Et il celui n'y euh, a que la dernière, dernière case. Je ne sais pas trop ce que l'auteur a voulu faire, la conclusion vraiment à la fin en fait. Ok, qu'est-ce que tu as écrit Je ne sais, sais pas trop. Tu as voulu conclure, c'est un peu bizarre. Mais, euh, mais l'histoire de Baptism est, est géniale. J'ai hâte de me, de me relire. Ça fait longtemps que je l'ai lu et j'ai hâte de la relire. Alors, Bibi92 qui dit Je suis euh, déçu par euh, Shingo. Ah, pardon, je, déçu par Je suis Shingo. Alors, personnellement, Je suis Shingo, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et, et quand j'entends parler tout le monde, tout le monde me dit Mais c'est son meilleur, c'est son masterpiece. Et effectivement, au Japon, c'est un de ses plus gros succès, Je suis Shingo. Et d'ailleurs, il a même fait une suite hein, on en parle dans notre podcast Bunko. On fait un nouveau format hein, qui s'appelle les Bunko Flash euh, qui durent bon, quand même 45 minutes hein, ils ne sont pas courts. Mais, euh, mais du coup, on parle de Humez et du retour d'Umez sur la suite de Je suis Shingo. Donc n'hésitez pas à, à l'écouter parce qu'on parle de ça. Et moi, je suis Shingo. J'ai moins accroché. Euh, pourquoi Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est de la science-fiction c'est ce pas de l'horreur. Donc, ça, déjà, je m'attendais à avoir de l'horreur et j'ai pas eu ce que je voulais. Donc, ça, ça a joué énormément. Je vais prendre le point de volume. Hop Je suis Shingo qui sont quand même euh, six gros pavés. Hein. Je vais vous montrer un petit peu des. Voilà. Bunko Flash, oui, c'est une attaque de Vegeta, oui, exactement. On, on inspiré de Dragon Ball, hein, toujours. On revient toujours aux sources, bien entendu. Ah. Hop là. Donc, euh, et je suis Shingo, c'est vraiment euh, sur la robotique, euh, les, les, comment dire, l'image de la robotique de ces années-là. c'est une chronique sociale. Euh, c'est de l'intelligence artificielle. Il y a plein de sujets qui sont euh, juste euh, géniaux dedans, hein. clairement, hein. je veux dire là-dessus, moi j'ai kiffé euh, la, la, la vision qu'ils avaient de, de, de l'époque, enfin la vision que l'auteur propose de l'époque euh, sur la robotique et sur les mondes virtuels euh, et justement sur l'intelligence artificielle ça j'ai surkiffé mais ouais. en fait, là où j'ai plus de mal c'est qu'effectivement je n'ai pas eu l'horreur que j'attendais et en vérité c'est un, un manga de science-fiction et je ne savais pas que Umes faisait de la science-fiction pure même si parfois il y a quelques touches un petit peu, un petit peu horreur, hein. on le sent. Et a un moment, je croyais qu'il partait vraiment vers l'horreur et finalement il, il n'y part pas. Euh, et ce qui m'avait euh, plus, euh, plus euh, choqué, enfin choqué, plus dérangé, c'est que euh, c'est une narration. J'essaie de trouver des passages. Bien sûr, je ne vais pas trouver, mais c'est une narration qui est très euh, répétitive. C'est-à-dire c'est une narration qui répète énormément de fois. Ah voilà, regardez ce genre de, de vision euh, euh, très tron, très euh, polygonale. <laughs> Moi j'adore ça. Hein. Ça, c'est. Des, des, des visuels comme ça, c'est juste magnifique. Voilà, regardez ça. C'est juste trop beau, quoi. Donc pour ça, c'est juste énorme. Et en plus, à l'époque, voilà, c'était des écrans euh, très pixelisés, donc euh, et il, fallait, il fallait laisser aller euh, son imagination. En fait, c'est la répétition au niveau des images. Il y avait euh, une séparation une séquentialisation euh, de la narration qui était un peu trop répétitive entre guillemets. Quand on lit les six gros pavés qui sont euh, genre euh, ben, l'équivalent de, 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 de 12 volumes, hein, quand, on, si, euh, quand on lit les, les gros pavés, ça, Hop. Tadam. Euh, ça... En fait euh, j'avais des fois l'impression de... Un peu que la moitié du livre c'était la même chose et, et les pages se, se défilaient à une vitesse folle et des fois je me disais mais, mais euh, pourquoi tu me répètes autant de fois les mêmes images euh, j'avais du mal à le comprendre pour moi une suffisait en fait et c'est sa façon de dessiner c'est sa façon pour justement euh, on va dire peut-être euh, prendre plus de temps euh, étendre justement le moment présent pour que peut-être ralentir aussi le, le lecteur euh, de l'instant mais je trouvais que euh, c'était un, un peu trop et c'est pour ça que ça me dérangeait Pardon, je parle beaucoup et du coup j'ai la gorge sèche. Alors qu'en fait, c'est juste un, un, un moyen de narration, euh, c'est juste un style narratif. Et ce style narratif, en fait, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, ça m'a surpris. Et du coup, je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. J'ai adoré les thématiques qui... Euh, j'ai adoré les thématiques qu'il aborde. Je vais vous montrer le volume 2. Je vois que vous êtes chaud là dans le chat, là, ça vous, ça vous a plu. Je vais vous montrer le volume 2. Et, euh, mais je vous remontrerai de toute façon tout ça euh, quand on fera l'exploration de la Mangatech. Je vous montrerai ça plus en détail. Je vous reparlerai de Je suis Shingo. On va dire, c'est presque une preview là, que vous avez de l'exploration de la Mangatech. Puisque euh, au prochain live, vous allez avoir que des, euh, des trucs comme ça. Je vais vous présenter mes 1000 livres comme ça. Avec ce que j'ai de mémoire, hein, bien sûr, parce que je n'ai pas tout lu récemment. Euh, donc voilà donc en fait, j'aimerais bien retrouver cette narration telle que, que c'était euh, ouais, regardez ce genre d'image comme c'est beau j'ai vraiment l'impression de retrouver un vieil ordinateur qui essaie de, de faire des, des, des images de, de cinématique mais hyper limité c'est juste trop beau ouais, je vous mets quelques pages alors, tout n'est pas comme ça, mais il y a pas mal de pages comme ça. Alors, l'exploration de la Mangatech, oui, elle va faire... Non, elle va faire 3 heures, mais on va la faire en 52 parties, je pense. Hein, ça sera cool. Je pense que d'ici 5 ans, on aura fini de faire le tour. <laughs> donc, voilà. Donc, il faut clairement que je les relise. Et euh, donc... Euh, oui, voilà. Il faut que je les relise, Mangabala. Je suis d'accord. Euh, tu vois, j'étais en train de voir ton message. Et... Euh, non, non, mais t'inquiète pas. Tu, tu ne, je te spoil rien. Euh, Zeno, je te spoil rien parce que si tu as pas lu, tu peux pas comprendre euh, ce qui se passe. Voilà, comme ça, euh, c'est trop... Euh, c'est juste des images. Là, là, tu vois que des images, c'est comme si tu voyais un artbook, en fait. C'est presque pareil. Et euh, Donc voilà, donc en gros, je ne vais pas insister, mais c'est juste pour dire, euh, je suis Shingo, c'est une, une porte d'entrée pour ses œuvres de science-fiction, mais euh, c'est euh, quand je l'ai lu, je, je pense que je m'attendais à autre chose parce que tout ce que j'ai lu avant de lui, c'était totalement différent. là et comme c'était différent, ben, j'étais surpris et pas, je ne suis pas rentré comme j'aurais dû rentrer dedans. Donc je suis convaincu que c'est génial, parce que j'ai adoré le fond de Shushu Shingo. mais dans sa manière de raconter l'histoire, j'étais trop surpris. Donc j'ai hâte de le relire. Euh, pas de suite. Mais j'ai hâte de le relire et ça, clairement, je le garde. Donc voilà. On peut faire un Ulule si tu veux, courfraie Blu-ray. Il n'y a pas de souci, on peut faire ça au One pour, pour ça. Ah mais ça t'a fait la même chose, Mangabadas. Bon, mais ça me rassure, je suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul parce que quand je m'entends tout le monde me dire mais c'est génial, Singo, je, je me sens un peu seul en mode ouais mais moi j'ai pas, pas, c'est pas mon préféré, je suis déçu. Comment, euh, comment, on, fait comment on fait, pour euh, pour se comprendre Donc voilà, sachant que je, je ne cherche pas particulièrement l'approbation la, 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 des autres, mais c'est que c'est quand même agréable qu'on se comprenne dans le truc ou comprendre pourquoi. Et en discutant, c'est vrai que c'est ça. J'ai compris que c'était ça qui m'avait dérangé. Donc, salut Tamao. Donc, effectivement, là, on parlait de Humes puisque j'avais lu Orochi. Donc, pour revenir rapidement à Orochi, c'est une bonne lecture. C'est très cool à lire. Ça ça c'est un snack, en fait. On le mange comme ça. On, le, on pique dedans, on picore, on lit son histoire. On attend le volume prochain tranquille. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais si on est plus fan de SF que d'horreur, ça je sais pas. Il faudrait que quelqu'un qui soit archi fan de SF euh, nous, nous dise ce qu'il en pense en fait. Là, moi je ne saurais pas répondre. Euh, voilà, voilà. Donc pour Roshi, c'était pas mal. Donc, je, je pensais pas rester si longtemps dessus. Euh, donc, voilà. Et les doubles pages, effectivement, elles sont. Ah d'accord, tu aimes découvrir les doubles pages. Après, je t'ai montré qu'une infinité de. Un enfin, minimum, là, il y en a plein, il y en a plein. Donc. Euh... Donc, tu, 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 vas, tu, tu te régaleras, t'inquiète pas. Je t'ai rien spoilé. Euh, et surtout, ces pages, elles arrivent un peu comme ça des fois, c'est très figuratif. Euh, voilà, c'est euh, il s'amuse, quoi. C'est une expérience visuelle pour lui, hein. clairement. Hein. Euh, Humet, son meilleur titre, La femme serpent est de loin. Ben, La femme serpent, c'est un titre shoujo, un de ses premiers titres. Et euh, il est très intéressant pour ça notamment dans la représentation visuelle des yeux, etc. Mais j'en parlerai quand on explore parce que si on les fait tous les humaises, là, on est foutu. Mais, euh, mais euh, j'aime beaucoup aussi la femme serpent, mais il, a quand même, euh, il est quand même daté, on va dire aujourd'hui, et euh, il faut le lire en à une certaine connaissance de cause. Mais euh, c'était une lecture très sympa. Alors le manga suivant, le manga suivant, j'en ai parlé dans ma vidéo sur j'arrête d'acheter les rééditions. Et, euh, et du coup, euh, j'en avais parlé et, et j'avais dit que celui-là, j'avais acheté la réédition justement. Il est où Il est où Il est où, et où je, je cherche l'ancien. Hop là. Et c'est Mermet Saga qui a lu les Mermet Saga. cool je vois qu'on est nombreux on est on est on est 24 là hein. c'est vraiment super hein. merci beaucoup euh, aux personnes qui sont là et qui sont euh, qui restent c'est vraiment très gentil à vous alors ça c'était la première édition euh, non c'est deux volumes en fait alors il faut savoir que cette édition là elle fait yeah. 256 pages et là, on est sur du 388, donc quasiment 400 pages. Pourquoi Parce qu'en fait, à la base, c'est une série en euh, trois, euh, trois arcs, en fait. Et donc, ils avaient sorti ici le premier arc. Et, euh, et ils n'ont jamais sorti la suite. Et Gléna, dans sa grande gentillesse, se sont dit on va pas sortir en trois volumes, on va le sortir en deux. Comme ça, les personnes qui ont la première édition, ils seront obligés de racheter les deux volumes. Malin Jaco, t'es malin Et bien, du coup. Euh, et bien du coup on a l'intégrale mais en deux volumes et euh, moi je me retrouve avec ça euh, qui me sert à rien donc voilà euh, et donc Mermet Saga de quoi ça parle Donc déjà euh, déjà on est d'accord que l'édition est quand même très cool malgré tout euh, on, a, on critique souvent Glena pour ses éditions euh, Et là moi j'ai rien à dire sur, euh, sur Mermet Saga euh, au niveau de l'édition Moi je la trouve sympa les, les pages sont pas euh, euh, sont pas mauvaises, un poil transparente, euh, il pourrait faire un effort sur le, le papier, mais le livre en lui-même, je trouve assez cool quand même. Euh, donc voilà. Euh, donc Mermet Saga, de quoi ça parle Donc euh, en fait, euh, ben, ça parle de sirènes et, euh, et des sirènes qui, euh, qui ont la particularité d'être immortelles. Et si on mange de la chair de sirène, on devient immortel. Et bien sûr, il ben, y a beaucoup d'humains qui vont vouloir... Euh, Faire euh, faire manger de, de, de la chair de sirène, sauf qu'il y a ce petit jeune homme là euh, qui lui ben, a mangé il y a 500 ans et qui maintenant ben, se pose enfin euh, qui cherche à redevenir humain parce qu'il ne veut pas être immortel et ça va vraiment questionner sur tout ce qui est euh, l'immortalité, euh, ce besoin des humains de, 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 de vivre longtemps, etc. Et, euh, et donc c'est du Rumiko Takahashi <coughs> qui ne connaît pas Rumiko Takahashi. Hein, dites-moi, en fait bon, je vais quand même le repréciser, ça reste donc l'autrice euh, numéro 1 du Japon euh, qui a fait euh, les Lamu, qui a fait Judette je donc Maison et Coucou euh, qui a fait Ramelain et Demi euh, et qui a fait toutes ces longues séries euh, Inuyasha je ne sais plus ce qu'elle a fait, euh, le dernier c'est Mao euh, etc, et qui fait des séries toujours très longues, et, euh, et en gros ce sont des petites histoires courtes, avec un personnage euh, récurrent, récompensé Angoulême bien sûr et c'est un, un manga qui est beaucoup plus adulte que ce qu'elle a l'habitude de faire. C'est-à-dire que c'est un manga qui donne dans l'horreur déjà. Donc ça c'est très cool. Et, et alors pas de l'horreur absolument, hémoglobine et compagnie, mais avec un fond, un fond horrifique. Et, et surtout ça représente des sirènes qui sont, qui sont très belles au naturel, mais dès qu'elles se transforment ou, ou elles ont des sortes de de, de, de sirènes ratées, ben, ça devient des sortes de, de monstres hideux avec des veines de partout, euh, euh, vraiment le vrai monstre quoi, le, etc. Mer merci, merci euh, euh, Lady Murasaki d'être venue, c'est très gentil à toi. À la prochaine. Et, euh, et donc du coup, euh, et donc du coup voilà, donc c'est des histoires beaucoup plus adultes. Moi j'avais adoré euh, mermet saga. J'ai pas beaucoup de titres, j'ai de main et demi, j'ai Maison et coucou, d'elle j'ai acheté euh, le Rumic Word que je n'ai pas encore lu. Et après, j'avais acheté une Uyasha que j'avais revendu parce que c'était trop de volume et trop shonen, euh, etc. ça Typiquement le genre de lecture numérique, c'est parfait. Et, euh, et celui-là, euh, ben, je l'avais acheté et j'avais kiffé ma lecture. J'ai fait, mais pourquoi ils ne sortent pas la suite quoi Pour une fois qu'on a du Takahashi beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, euh, je ne comprends pas pourquoi ils ne sortent pas ça. Et donc là, ça y est, c'est réparé, puisque j'avais quand même demandé... À la responsable éditoriale de Glénat, euh, qu'elle était venue à Angoulême justement pour l'année euh, où il récompensait Rumiko Takahashi, je lui avais posé la question de savoir s'il si comptait euh, rééditer euh, Mermet Saga. Sa réponse a été très euh, corporate, euh, c'était limite une réponse automatique, où elle m'a dit oui ben, déjà on se concentre sur les titres existants, et si Randman demi marche bien, on, on envisagera peut-être potentiellement, pourquoi pas, euh, dans l'éventualité que euh, de ressortir Mamet Saga. Et euh, ben, aujourd'hui, voilà, de trois ans, ou 3 ans après, ils l'ont finalement ressorti. Donc euh, voilà. Euh, non mao j'ai pas lu j'ai pas lu j'ai pas tenté j'ai tellement de lectures que du coup j'ai pas pas tenté je vous montre un peu le contenu hein, ça vous spoilera pas plus que ça hein. euh, donc dedans je lui disais c'est des histoires indépendantes mais avec un fil conducteur avec ce héros et, euh, et j'aime bien c'est qu'à chaque fois l'autrice elle a essayé vraiment d'apporter de, de, euh, des histoires qui sont courtes mais travaillées euh, et qui euh, ont toujours une sorte de retournement de situation à la fin une petite surprise à la fin et je trouvais ça à chaque fois très cool le manga il n'a pas de fin en soi, euh, c'est un peu dommage, et elle n'est pas, pas arrivée à une conclusion, je pense que le magazine a dû s'arrêter ou faute de succès, mais c'est pas grave, ça vaut le coup de le lire, parce que euh, les histoires sont cool, euh, l'ensemble euh, est cool, et ça se passe pas ça se passe à plusieurs époques. Et c'est ça qui est, qui est sympathique en fait, c'est que ça se passe autant 500 ans en arrière que dans l'époque contemporaine. Et l'autrice elle peut facilement jouer avec ça euh, euh, de ce côté-là. Et tout je vous disais, ben, c'est de l'horreur et c'est même des fois un peu angoissant euh, par moment. Je trouve qu'elle arrive assez bien à faire ça. Donc, c'est une très bonne lecture. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce format court euh, qu'elle fait. Ça, c'est format court, il n'y a pas de souci, j'achète sans problème. D'ailleurs, Tonka m'avait édité pas mal de formats courts dans le passé. À l'époque, j'ai fait l'erreur de ne pas les acheter. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, vous connaissez le marché, c'est très compliqué à, à obtenir. Et euh, clairement, euh, si ces formats courts sont réédités, moi, je les rachète direct. Par contre, toutes ces séries longues, pour moi, si je dois les acheter, ça sera en numérique. Tout simplement. Euh, donc voilà, donc, euh, je ne sais pas quoi dire de plus sur Mermet Saga, hormis que c'était très très une très bonne lecture. Euh, pareil, ça se... Ça se picore. Alors comme c'est plus adulte, vous voyez, il y a un petit peu plus de nudité, il y a un peu plus de... Euh, voilà, c'est pour un public euh, un peu plus mature, il n'y a pas de sexe, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, pas plus, je vous montre quelques planches pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Après, on est tout à fait dans son style graphique, hein. mais euh, c'est un, un peu comme Tezuka quand il est passé sur des œuvres plus adultes. Ça, ça fait plaisir en fait, de, de revoir ce trait-là, ce trait mais dans un autre domaine. Effectivement, Nuyasha, moi, quand je l'ai lu, euh, c'est un peu trop combat, un peu trop répétitif. Ça aurait été pour un public plus adulte, ça aurait été, je pense, beaucoup plus intéressant. Et peut-être euh, que ça ne fasse pas 97 000 tomes, euh, ça aurait été bien peut-être aussi, parce que là, je ne sais plus combien il y en a, mais ça dépasse la cinquantaine, c'est énorme. Alors, il reste 45 minutes. Oulala là là, on en a des choses à voir encore. On en a. Allez, je vais accélérer un peu. Enfin accélérer, on a le temps là, je pense qu'en 45 minutes, ça se fait. Donc il n'y a pas de souci. Hop là. Hop J'ai pas les cheveux assez longs pour les, pour les mettre derrière l'oreille, ils tombent. Je suis encore obligé de mettre l'élastique. C'est la, la, la mi-longueur. Alors, le manga suivant, qu'est-ce que c'est Alors c'est un manga que j'avais déjà lu, mais que j'ai relu. Euh, parce que j'avais lu, je l'ai critiqué, je l'avais un peu... Euh, je ne vais pas dire défoncé, mais j'avais fait comprendre à ma critique que c'était pas terrible. Euh, ce manga. Et ce manga, c'est... <coughs> Pop Team Epic. Et pourquoi j'ai relu ce manga Pour une raison très simple, c'est qu'en fait j'ai regardé la version animée. Alors je ne vous parle pas de des fois ce que je regarde en version animée. Euh, là, je suis en train de, de regarder Ranking of King et et, euh, et euh, Pop Team Epic et euh, donc on a, on a enfin, j'ai fini de regarder ça et, euh, et la version animée c'est ce que je disais dans ma critique j'ai dit je pense que ça en version animée ça doit être génial et euh, qu'est-ce que c'est Pop Team Epic pour ceux qui ne connaissent pas désolé j'ai du mal à parler à force de, pas, de parler euh, depuis un moment parce que là ça fait, euh, ça fait deux heures et quart que, que je parle je reprends un petit verre donc, du coup, c'est des strips. Voilà, ça, c'est des strips de 4 cases. Ultra référencés, ultra haut à coup. Il faut vraiment rentrer dans le trip. Euh, et quand j'ai lu la première fois, j'ai pas aimé. C'est-à-dire que sur la centaine de blagues, ou je ne sais plus, 150, je ne sais plus combien il y en a, c'est ça, 150 blagues, euh, j'ai dû rigoler, mais trois fois. trois fois, et, et j'ai souri cinq fois. quoi. Donc. Catastrophe quand je l'ai lu et j'ai vu la version animée et la version animée elle est disponible sur Netflix. Vous pouvez la regarder. Elle est c'est génial. La version animée elle est géniale. Il y a des couleurs, ça pète de partout, c'est ça va dans tous les sens, c'est what the fuck absolu, c'est incroyable. Donc euh, ça ça retourne le cerveau et en, à la fin tu fais ok qu'est-ce que j'ai vu, je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'était génial à euh, génial à, à, à regarder. Donc je me suis dit puisque j'ai kiffé l'animé je vais relire le manga, voir si ça me plaît. D'accord À la base, je crois que c'est un, un manga. C'est un manga et c'est même un manga qui a été publié sur Internet via des petits strips. Et finalement, je crois qu'après, ça a été repris par un éditeur qui. Ils ont fait des livres. Parce qu'il n'y a pas qu'un livre, il y a plusieurs livres, en fait. Euh, mais ils ne l'ont pas numéroté, je pense, mais Yann, pour être sûr que si ça ne marche pas, ils ne se, s'aventurent se, pas dans le reste. Euh, et donc, du coup, je l'ai relu. Alors au lieu d'avoir euh, réagi sur 8 blagues, j'en ai réagi sur 15. Donc j'ai quand même doublé. Il y a quand même une augmentation là de 200%, c'est quand même pas rien. Mais euh, malgré tout, ben, je reste ce format-là, il est très particulier et ça marche moins. Alors qu'il y a les mêmes blagues dans l'animé qui m'ont fait rire, rire ou sourire, en tout cas réagir. Euh, et là, ça ne marche pas. Donc du coup... Pop type et puis, je ne vais pas passer plus de temps dessus parce que je ne vais, vais pas casser le manga pour le casser. Moi, je ne suis pas la cible, clairement pas. Je pense que la cible, c'est clairement les personnes qui connaissent déjà le manga, enfin le, le, les personnages et qui sont totalement dans le trip de ce truc-là et je pense qu'eux vont se régaler. Mais pour moi, ça, ça manque de couleurs, ça manque de son, ça manque d'interaction, ça manque de, de, de folie en fait. Et le format Yonkoma, ben là, ça marche pas bien. Et, mais je ne suis pas convaincu que ça marche mieux euh, dans un format euh, classique. Donc voilà, donc euh, je dis pas plus sur ça, ça sert à rien, mais je vous conseillerais de regarder l'animé. <laughs> l'animé était, euh, était euh, hyper cool. Euh, voilà. Donc vous pouvez vous, vous lancer dans l'aventure si vous avez envie. Voilà. Qui, qui a envie de se lancer dans l'aventure euh, Pop euh, team épique. Donc il nous reste 4 livres à chroniquer au niveau des lectures. Parce que comme je disais, il y avait une partie... alors, Vous avez vu les livres récents, les bermet saga, les... les euh, comment ça s'appelle Les... Euh, Véhome et son chat, etc. Ça, c'est tout que j'ai acheté le mois dernier, que j'ai lu direct. D'accord et, et après là, c'est des titres. Euh, certains qui sont anciens, et après, j'ai toute une liste d'achats que j'ai fait que je n'ai pas lu, mais que je vais quand même vous présenter. Euh, puis je sais que vous aimez bien ça aussi, donc du coup, euh, j'en profite de, de ce moment-là. Alors, le manga suivant, c'est celui-ci Hop là, Je ne suis pas un homme de Fouria, puisqu'il va ressortir chez Imo. Et je me suis dit, bah, c'est la bonne occasion de le lire. Donc euh, voilà, donc là, c'est un très grand format. Beau coucou David, pas de soucis. On a parlé de Pop Team Epic et là je passais sur je ne suis pas un homme qui va revenir chez Imo. Là, ça a été publié chez Casterman. Imo a racheté les droits et ça revient. Je ne sais pas sous quel format hein, chez Imo, mais en tout cas, ça revient. Alors, je ne suis pas un homme. Hop, voilà, j'essaie de le caler pour vous le voyez bien. Euh, donc Fouria, je pense que vous connaissez, avec Palais Poli ou des, des titres comme ça. Le dernier le plus connu, c'était quoi c'était euh, « Je voulais euh, être tué par une lycéenne », un truc comme ça, euh, pour le titre le plus accessible euh, grand public. Donc ça reprend le roman d'Ozamudazai, Dazai, que Ito a repris aussi, mais lui dans une version beaucoup plus fidèle. Là, on est sur une version euh, moderne de, de, du roman. Donc tout a été transposé dans notre époque à nous. Donc, quand le lit sans connaître le roman, c'est ce qui m'est arrivé la première fois, ben, euh, C'est bête, mais je n'ai pas eu plus de souvenirs que ça dans le, de, de, de ce manga. Je l'ai lu, puis je l'ai assez vite oublié. Maintenant que je connais un peu mieux le roman, parce que ben, grâce à Ito, euh, je connais un petit peu mieux le roman, ben, du coup j'ai pu retrouver euh, des scènes euh, de, du roman original. Et, euh, et donc du coup, euh, ben, coup euh, ce, ce, j'ai beaucoup plus apprécié cette fois le, le truc. Donc l'histoire, en gros... C'est un, un mec en fait, une sorte de loser. Enfin pas loser, mais c'est un mec en fait qui... Il n'assume pas ce qu'il fait et à chaque fois il va embarquer des gens avec lui, notamment des femmes, qui va pousser jusqu'au suicide et lui à chaque fois il va s'en sortir. Et il va aller euh, comme ça de plus en plus loin euh, dans, dans, dans ce truc-là et il va un peu se laisser embarquer lui euh, par, par la vie tout en emportant tout le monde avec lui. Et c'est pour ça qu'il a marqué juste une pas un homme parce qu'en fait il n'assume pas ce qu'il qu fait. Donc c'est euh, un truc assez... Euh, Assez lourd en termes de, de, de sujets. Je vais vous montrer les pages euh, juste après. Hop là. Que je voulais juste le... Comme il y a des scènes érotiques. Hein, euh, très crues. Même dans celui de 8 tours. Hein, il y a quelques scènes assez crues. Euh, ben, du coup euh, je, je dois faire attention aux pages que je montre. Ah, mais je vois que j'ai mis le volume 2. Hop là. On ne va pas tout montrer. On va surtout montrer le premier volume. J'aime bien les couvertures par contre. Je les trouve très jolies. Alors, pardon, désolé, hein. un Chat dans la gorge. Euh, donc, alors, il ne faut pas faire la comparaison avec celle d'Ito, hein, parce que c'est deux façons différentes de raconter. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'érotisme à l'intérieur. Par contre, le dessin, euh, moi j'aime beaucoup le dessin de Fourier, très, euh, très propre, euh, très noir. Euh, je ne sais pas, euh, il a est, il est, il est, il est un dessin assez particulier. Non, pas ça. Hop que, que j'aime beaucoup. Euh, donc du coup voilà, comme je disais, c'est ce mec, c'est une sorte de déchet humain. Hein. Euh, hop là, une sorte de, de déchet humain qui va embarquer un peu tout le monde avec lui. Au début, il est, il est voilà, il est bien. Et en fait, on va vite se rendre compte. En fait, il va de plus en plus. Hein, il va, il va il, physiquement, il va changer, etc. Hop là, là par exemple ils vont essayer de se suicider et bien sûr. Seul lui va en réchapper, par exemple, mais ça, ça fait partie du roman. Hein. Je vous spoile pas euh, mille trucs. Hein. Voilà, il va se retrouver un peu dans une sorte de, de, de dépotoir, enfin, des trucs comme ça. Et on va suivre en fait son aventure. Donc, moi, je vais pas vous dire plus parce qu'après, euh, ça serait totalement spoilé le, le... la découverte du roman pour, pour ça. Euh... Oui, oui, je ne suis pas un homme, c'est bien ça. Oui, ce n'est pas, pas je ne suis qu'un homme, oui, effectivement. C'est je ne suis pas un homme. Et, euh, et en fait, avec sa belle gueule, en fait, voilà, il, va, il va attirer tout ça, comme dans le, 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 le roman original. Donc en fait, c'est assez... C'est assez fidèle au roman, de façon modernisée. Et finalement, la relecture, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette, cette relecture. Euh, sur, et je pense que je l'ai appréciée parce que cette fois, je connais l'original. Et le fait de, de savoir où ça amène et le pourquoi du, du comment, ben, du coup, c'était intéressant en fait. Euh, surtout avec toute l'histoire liée avec le... Avec l'auteur le, 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 du roman original. Alors, il faut savoir par contre que euh, le, je trouve que la version de Ito, qui est beaucoup plus fidèle, va beaucoup plus loin dans le côté. Euh, ursupate, ah, euh, ursupateur de. Ah, je, bon, je dis mal, désolé. Euh, D'identité, dans le sens où lui-même, il considère mettre un masque et ne pas être lui-même. Et je trouve que la version de Ito, elle est beaucoup plus. <laughs> Merci. Elle est beaucoup plus, il faut que j'arrête de tourner les pages au hasard. Une surpassion, merci Owen. Euh, parce que je trouve qu'en fait, il insiste moins sur ce côté-là. Et on va être plus dans les actes et les conséquences qu'il va faire. Alors que l'autre, il a un vrai doute en fait de, de son identité, de, de, de la façade qu'il joue en permanence, du rôle qu'il joue en permanence. Donc Ito, je trouve qu'il a un peu plus travaillé de ce côté-là. Maintenant, l'histoire de Ito, elle fait 600 pages, elle est plus longue, celle-ci est plus courte. De, de mémoire, ou du moins, enfin en tout cas, celle du tout est un peu plus longue. Euh, donc voilà, c'est donc une, une, une bonne lecture, je ne peux pas trop en dire parce que ça fait que deux volumes et parce que ça vous euh, spoilerait la, la, la surprise. Euh, par contre, j'aime bien cette édition, alors elle est hyper lourde l'édition, mais c'est du papier glacé, donc ça donne aussi un effet, euh, un effet très particulier. Je vais voir s'il n'y a pas une page ou deux dans le, dans le volume 2 qui sont cool à montrer. <coughs> oh, non, pas ça. Il est quand même assez cru, hein. d'un point de vue sexe et compagnie. Euh, voilà, il, il, il montre, il montre des trucs. Voilà. Après, bon, il y a des pages, moi j'aime beaucoup, très joli comme ça, un peu d'artifice, etc. Bon, je montre pas plus, mais en tout cas, voilà, là on va, on va voir qu'il a beaucoup changé physiquement et ça se fait progressivement. Bref. Donc voilà, bonne lecture finalement. Euh, je, je pensais être déçu de... Je pensais être déçu de, 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 de cette relecture et en fait pas du tout. Ça m'a plu. Donc je dis pas que c'est indispensable. Je dis pas que c'est... Euh, il faut absolument le, euh, le lire et l'avoir. Mais si vous aimez l'auteur, vous allez vous régaler. Donc et maintenant, tu l'as vu, il y a quelques années, ce manga t'avait pas mal marqué. Eh N'hésite euh, pas à développer euh, pourquoi. Mais euh, moi, il ne m'avait pas, pas plus marqué que ça. Je pense que je t'ai passé à côté. Euh, C'était un manga parmi d'autres euh, avec un peu de cul dedans. Euh, euh, sans plus et en fait il est il est quand même il va plus loin que ça donc voici pour euh, celui-ci le prochain ça va plaire à un manga badass le prochain on va parler un peu de mizuki opération mort puisque vous l'avez remarqué les plus assidus je relis tout mizuki depuis un moment, puisque j'ai chroniqué pas mal de Mizuki depuis, euh, depuis plusieurs mois. Euh, je les relis tout doucement parce que ben voilà, le, euh, le... j'avais appris il y a longtemps euh, qu'il y avait l'exposition le, Mizuki à Angoulême, donc je me disais peut-être c'est l'occasion de, de les relire avant d'y aller. Et j'ai relu Opération Mort. Il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé de Vie de Mizuki, et dans le volume 2 de Vie de Mizuki, il y a toute la partie de la guerre. Et donc par rapport à Opération Mort, qu est -ce, quelle est la différence en fait Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux livres voilà, qui a lu les deux dans le chat Et ou qui euh, en a lu l'un des deux, euh, n'importe Qui lit du Mizuki Alors, du coup. Tout à fait, maintenant. C'est exactement ça. Oui. Mais je pense qu'il t'a as, as, as bien saisi l'essence. Euh, l'essence du manga de « euh, Je ne suis pas un homme ». Effectivement, il est détestable, ce, ce, ce personnage. Alors, opération mort. Donc, uh, ouan tu n'es qu'un uh, qui est uh, un excellent manga de Mizuki. Donc, uh, ça va, tu, 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 tu es bien. Alors, opération mort, en fait, comme vous savez, Mizuki, il a réellement euh, vécu la guerre. Euh, Rassure-toi, David, hein, je ne vais pas spoiler, hein, comme d'habitude. Je vais éviter il a il a connu la guerre hein, il a perdu un bras euh, là bas c'est ce qu'on apprend dans, dans vie de mizuki et euh, du coup ben euh, du coup en fait il a décidé de, 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 de avant il crois je crois qu'il qu a dessiné avant laissez moi vérifier je vais aller sur euh, manga news en deux secondes et je vais regarder euh, si euh, il a fait avant opération mort 1991 et Mizuki. <coughs> Tout à fait. Donc il a dessiné avant. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des passages dans Vie de Mizuki. Et en fait il avait décidé de raconter un peu le quotidien des soldats. Parce que c'est bien, ils étaient sur une île. Et ils étaient là et, euh, et ils voulaient raconter le quotidien des soldats et qu'est-ce qui se passait sur place. Avoir vraiment quelque chose, une, une mémoire écrite en fait, hein, tout simplement, hein, parce que qu'il ben, a vécu, il a en capacité de raconter la, la, la vraie face de l'histoire, et ben, du coup il en a profité. Donc il faut savoir que dedans par rapport à Vie de Mizuki... Euh... Ah merde euh, ben, Après c'est sur toutes les photos de Mizuki, hein, si tu parles du bras ou des trucs comme ça. Hein. Donc, tu verras, euh, tout les photos de Mizuki, euh, il n'a pas droit. Hein. Donc, euh, il dessine de la main gauche, euh, je crois. Euh, et donc, du coup, euh, il, il, euh, il raconte là, dans Ville Mizuki, en fait, il raconte vraiment lui en tant que soldat, euh, son histoire quand il était sur, euh, sur l'île. Et. Et euh, mais je suis désolé euh, du coup Mangavadas si je t'ai euh, spoilé sur le bras. Alors j'avoue je l'avais appris avec Myth Vie de Mizuki aussi euh, à l'époque. Mais euh, ça m'avait surpris de, de voir ça. Je suis allé voir des photos immédiatement. Et, euh, et du coup j'ai fait, ah ouais, quand même, le mec c'est un, un survivant c'est un warrior. C'est un warrior. Merci Antoine d'avoir rajouté une couche. <laughs> bon je ne le redirai plus pour les prochains si des fois on reparle à nouveau de Mizuki. Promis, désolé Mangabadas. Donc, euh, et donc là, dans Opération Mort, il sera un petit peu présent, mais il va vraiment parler des soldats de manière générale. Ça va être la grosse différence, en fait. Donc, on va retrouver certaines histoires qu'il a reprises dans Vie de Mizuki, euh, mais euh, des fois racontées un peu différemment. Ou <laughs> merci, merci de me bannir, Owen. <laughs> C'est gentil de me bannir moi-même. <laughs> et du coup, euh, avec des fois des facettes un peu différentes ou euh, plus coupées, etc. Donc euh, voilà, oh, mais je crois que j'ai spoilé tout le monde sur le bras de Mizuki. Et eh bien écoutez, comme ça, ça va vous donner. Mais vous ne savez pas comment il a perdu. Et il le raconte dans Vie de Mizuki. Donc maintenant, je vous ai donné en fait un indice pour vous dépêcher de lire Vie de Mizuki. Vous voyez C'est pas pareil, je vous ai pas spoilé. Je vous ai donné l'envie de lire le volume 2 pour comprendre pourquoi. Vous me remercierez plus tard, vous verrez. Donc voilà, donc en fait, bien sûr, il montre euh, totalement l'absurdité euh, du fonctionnement euh, de l'armée japonaise, l'absurdité euh, de se faire tabasser tout le temps pour rien, de faire des tâches idiotes, euh, etc. Donc c'est vraiment le quotidien de la compagnie. Il ne se passe rien de fantastique euh, dedans au, au, au final. Euh, dans, dans le sens où, euh, où c'est leur quotidien, ils se font chier les mecs, ils se font chier. Par contre, ils se font chier, mais sauf que d'une seconde à l'autre... Ben, ils peuvent mourir et ils frôlent la mort en permanence. Et c'est ça qui est, qui est assez fou parce qu'il y a des morts dedans, elles sont ridicules. Euh, genre, il y en a un, euh, il se fait bouffer par un crocodile en fait, comme ça. Tu fais ok. Il euh, y en a un autre, ben, il voilà, y a un avion qui passe, il se fait désinguer. Il euh, y en a un autre, je, je sais pas moi, genre, il se, se fait niquer à cause d'un poison ou des trucs comme ça. Et, euh, et donc, du coup. Et donc, du coup. Euh, et euh, je, je répondrai après. Et, euh, et du coup, on bah, se dit, mais bah en fait, c'est des mecs qui vivent avec la mort en permanence. En fait. C'est-à-dire que là, bah, ils essayent déjà de survivre sur place, euh, voilà, ils se font chier, ils se font chier et on leur donne des ordres débiles. Et, et en plus, bah, d'une seconde à l'autre, ils peuvent se faire tuer sur une raison euh, totalement inconnue. Il y a un, un soldat ennemi qui s'est trop approché qui va essayer de les tuer, un avion qui passe, euh, voilà, les animaux, enfin, la, la faune euh, la faune sur place, euh, etc. etc. Ça, c'est un passage qu'on retrouve dans, dans Ville Mizuki*. Euh, et bien sûr, ben voilà, c'est une, une sorte de devoir de mémoire qu'il a fait, quoi. Il, il montre exactement ce que c'est. Ben, en fait, Peluliu, ce que tu dis, au one Moi, je l'ai pas acheté Peluliu parce que euh, c'était sur le même thème, en fait. Et ayant lu déjà euh, plusieurs fois les versions de *Mizuki*, j'avais peut-être pas envie de me relire encore un manga. Euh, qui allait plus ou moins peut-être parler de la même chose. C'est pour ça que pas, je ne me suis pas tenté d'en pellulier. Voilà. Alors Davidson, oui, effectivement, après à Mizuki, on lui a mis un canon dans, dans son bras. Et, euh, et depuis, il tire des boulets de canon et c'est pour ça qu'il est réputé. Effectivement. Voilà. Et c'est lui qui a inspiré, euh, du coup, euh, euh, l'auteur de, de Cobra. Donc là, euh, merci, euh, merci David. Euh, donc voilà, donc, du coup, vous voyez, c'est vraiment le, 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 le régiment, c'est un témoignage vivant, c'est ça qu'il faut voir euh, derrière ce, ce livre, donc c'est super intéressant pour ce côté-là, en termes de témoignage. Si vous attendez de l'action, c'est mort, vous n'en vous aurez pas. D'ailleurs, la première fois que j'ai lu, lu ça, parce que j'avais découvert Nomba, puis j'ai voulu explorer tout ce que Mizuki avait fait, la première fois que je l'ai lu... J'ai pas compris en fait, je me suis pas fait chier, mais presque, je me dis, mais pourquoi tu, tu me fais une histoire où il se passe rien Je comprends pas en fait. Et c'est vraiment en lisant le texte de fin, euh, puisqu'à la fin il y a vraiment un texte qui explique euh, de Mizuki lui-même. Là, euh, je sais plus. Voilà, il y a un texte à la fin là, de Mizuki lui-même là qui fait euh, juste deux pages et qui, dit, euh, bah, qui explique un petit peu pourquoi il a fait ça, etc. Et j'ai fait. Ah, ok, je comprends mieux. Et moi, c'est là où le manga, ça a été un peu, un peu mode révélation. ok, oui, c'est un manga qui est génial. C'est qui est génial pour justement ces témoignages parce que et c'est ce qu'il dit à la fin. Euh, ce qu'il dit à la fin, en fait, c'est que ben, lui, il est encore là, en fait. Il n'est pas mort et donc du coup, ben, c est, c est, il peut raconter ce qu'il a et puis il peut honorer les morts, en fait, parce que en anglais, je crois que ça s'appelle euh, euh, nos, nos morts honorables, un truc comme ça. Et il peut vraiment honorer les morts. Alors il faut savoir que le titre Opération Mort, euh, parce que derrière je parlais de l'absurdité euh, de, de, de tout ça, le titre Opération Mort, c'est qu'en fait on, on voulait les envoyer à la mort à chaque fois. Euh, C'était le bien sûr à chaque fois c'est vous allez euh, vous pouvez pas lutter, et eh bien euh, foncez sur l'ennemi, allez tous mourir c'était mais débile plutôt que reculer et essayer de faire de la résistance en attendant des renforts etc et ben on avait des jeunes gradés un peu trop un peu trop dans le truc du patriotisme et qui les envoyés à la mort et qui bien sûr eux se défilaient au dernier moment pour pour raisons euh, officielles administratives euh, etc euh, donc voilà donc opération mort euh, moi je vous recommande maintenant si vous devez faire le choix entre vie de Mizuki aux opérations mortes, je vous dirais prenez Vide Mizuki, parce qu'avec Vide Mizuki vous avez une vue globale de ce qu'a ce qu fait Mizuki entre euh, le premier qui reprend des parties de Nonamba, même si Nonamba est beaucoup plus détaillé, et ça vaut le coup de vraiment de lire indépendamment vous avez euh, bah, du coup la partie 2 euh, qui reprend une partie d'opérations mort, et le dernier qui lui par contre est plus inédit donc voilà tout à fait, oui David, ouais, c'est ça c'était le déshonneur, exactement. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est très important pour ça. Et d'ailleurs voilà, d'envie de Mizuki. Quand vous lirez le 2 vous verrez, il y arrive un truc. Et et à la fin, il se fait, il se fait jeter. Il se fait jeter alors qu'il a juste essayé de survivre quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà. Donc, d'envie Mizuki, il vous a appris un super truc sur Mizuki lui-même, physiquement. Vous m'en remercierez plus tard parce que maintenant vous avez juste envie de lire le volume 2 de vie de Mizuki. Donc voilà. Vous voyez, je suis trop sympa en fait. Je suis trop sympa. Vous ne le savez pas encore, mais vous le verrez. Donc, Opération Mort, moi ça m'a fait plaisir de le relire. Et, euh, et voilà, même si euh, les récits de guerre, euh, ce n'est pas, pas ce que je préfère chez Mizuki parce que bon, bah, la guerre c'est cool, mais dans le sens où. Euh, euh, c'est cool d'un point de vue historique euh, d'apprendre des choses etc après en termes de sujets des fois on a envie de lire des choses un peu plus légères et, euh, et là c'est quand même des, des sujets qui sont assez euh, assez lourds même si lui Mizuki euh, ça reste léger dans sa narration voilà alors il en reste deux euh, deux avant les, les achats mais les achats ça va aller assez vite hein, puisque je ne vais pas trop détailler j'ai reçu le fameux parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de Tezuka ce soir. On est d'accord. La guerre. Oui, voilà. Je, Owen, merci. Merci, Owen, d'avoir repris cette phrase. Je te, je te remercie. Je savais quand je l'ai dit que tu n'allais <laughs> pas me rater. J'ai précisé d'un point de vue historique. OK Ça, tu dois le rajouter dans la côte. OK S'il te plaît. Hop là. Je rappelle un petit peu mon, mon link. Euh, mon link, si vous voulez les liens vers le podcast, vers tout ça. Alors, le voici, le Team Phoenix, 45 euros, grand format, tirage de tête, je ne sais plus combien, 700 exemplaires, 650 exemplaires. Euh, voilà, mais je l'ai. Et je l'ai, et, et en plus je l'ai payé plus cher encore, j'ai payé 50 euros en fait, parce que j'ai dû l'acheter sur Vinted, parce que je ne pensais pas qu'ils allaient tous partir aussi vite, et je pensais que j'allais pouvoir me l'acheter à Angoulême. Euh, directement, puis me le ramener euh, et voir sur place si ça vaut le coup de le prendre ou pas. Et en fait, il est parti tellement vite que bah, du coup, j'ai jeté sur la première annonce que j'ai trouvé parce que je me suis dit, euh, ils vont tous le vendre à 200 euros et clairement, je vais jamais l'acheter. Donc, je l'ai acheté euh, pour ma collection. Euh, je n'ai pas le petit format, je l'achèterai à Angoulême euh, derrière parce que j'ai aussi euh, acheté sur Vinted pour dire là, c'est Team Pigeon hein, euh, jusqu'au bout. J'ai aussi acheté les fascicules de Spirou que j'ai dû payer 20 balles à peu près, je ne sais plus combien ou dedans en petit format, on a les trucs en couleur regardez magnifique voilà, je, je, je n'ai pas acheté un costume pigeon mais euh, bientôt, je comprends pas qu'il n'est pas sorti dans ce format là honnêtement euh, ou un format moyen, ça aurait été suffisant que sortir cet énorme bouquin trop grand, trop lourd qui ne sert à rien non, voilà, je ne suis pas très, euh, euh, très en accord avec le, le choix d'édition, mais bon, c'était leur choix. Euh, et donc, je l'ai reçu, et dedans, euh, j'ai même un magnifique. Un magnifique, euh, un magnifique euh, bout de carton, mais signé. Voilà, c'est une vraie signature. Donc, voilà. Si apparemment, au One, ils vont tous le sortir dans ce format-là. Donc, euh, du coup, j'ai de quoi dépenser beaucoup d'argent. Donc, Kim Phoenix, regardez comme c'est beau en couleur alors honnêtement à choisir une version de team phoenix c'est clairement la version couleur qui est la plus jolie euh, la version noir et blanc je l'ai pas mais j'avais pu la feuilleter un magasin euh, ça c'est vrai que la version couleur ça rajoute quand même un petit euh, un petit truc euh, derrière donc et je l'ai lu et euh, j'avais pu faire déjà des premiers retours sur le discord etc et honnêtement c'est pas si mal c'est pas mauvais c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Alors attention, c'est pas si mal pour un fan comme moi de Tezuka. Parce qu'il y a deux types de lecteurs il y a les gros pigeons comme moi qui achètent tout Tezuka, et il euh, y, y a les autres. Euh, ceux qui achètent des mangas normalement, <laughs> et qui ne connaissent pas spécialement Tezuka, ou qui ne sont pas euh, spécialement fans de, de cet univers. Voilà. Et du coup, euh, euh, ben du coup, quand on a les références, euh, <laughs> ils vont ouvrir un pigeonnier oui, pour tous nous accueillir. Et euh, quand on a on a les références, euh, etc., c'est très cool parce que ben, on sait à quoi ça correspond, euh, euh, etc. Euh, typiquement, à un moment, il euh, y, a, y a Kimaru qui se bat, donc de, de Roro, qui se bat contre une sorte de robot, euh, je ne sais pas où aller, mais c'est pas grave qui se bat contre une sorte de robot là qui reprend Bandai un personnage là donc bref c'est cool parce qu'on connaît les références on se dit c'est cool euh, par contre quand on n'a pas les références ben, on passe à côté quoi ça reste une histoire qui est un peu un peu un peu bateau un peu bidon euh, euh, voilà donc c'est pas euh, je pense que quelqu'un qui connaît pas Tezuka il va faire Ouais, ouais ». ou alors bon c'est sympathique mais euh, pas plus quoi et pour un fan de Tezuka il fait ouais c'est sympa Enfin en tout cas moi c'est ce que je pense hein, de, de, de ça. Donc ben, je, je continuerai de toute façon à l'acheter pour la collection parce que ce n'est pas désagréable à lire. Mais euh, ben, vrai que ça ne casse pas 3-4 un, un canard, comme on dit. Donc, euh, euh, donc voilà, donc, je vous montre quelques images pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et, et c'est vrai que la version couleur est cool quand même. Alors c'est pas, pas Canui, euh, Kenny Ruiz. Kenny Ruiz. Qu'il a, qu a, qu a fait la couleur. Et je trouve ça dommage de n'afficher ben, que lui, puisque le coloriste, il est aussi important. Et il n'est il pas. Il est nulle part. Voilà. Il est nulle part. Euh, etc. Voilà, donc Midnight, qui était en version fille, dedans. Donc pas plus. Euh, la version, voilà, le, le truc est joli. Par contre, je ne comprends pas. C'est censé être une édition hyper de luxe. Alors je sais pas si vous allez voir comme il faut il fallait que je recule mais regardez ce n'est eh, on voit rien je suis désolé attendez j'accroche le fil là on verra peut-être pas mais en fait ce n'est pas broché c'est le livre classique mis dans un mis dans un truc donc je sens que <laughs> trois pattes un pigeon <laughs> ça, je sens que ça ça va se décoller, quoi c'est pas c'est pas cali en fait c'est pas broché c'est pas machin et ça se plie enfin je sais pas je suis pas convaincu de la solidité dans le temps pour un livre euh... Pour un livre aussi cher, donc le temps me, me, donnera, euh, me donnera la réponse euh, à terme. Donc j'ai pas plus à dire honnêtement sur Team Phoenix. Euh, pour un volume 1, il faut voir où ça amène, il faut voir ce que ça donne. Si vous devez découvrir la série, ben, clairement achetez la version noir et blanc euh, histoire de découvrir. Euh, je pense que plus tard, il y a des grandes chances qu'ils sortent une version réduite de la version couleur euh, en, format, en format moyen pour euh, apprécier au mieux, au mieux le dessin. Mais c'est un peu bizarre de sortir en tout petit format, un format énorme, de sortir en fascicule la version couleur sur du papier pas terrible. Euh, bref, j'ai un peu de mal à comprendre leur stratégie sur Team Phoenix et j'étais, comme je disais, très surpris de, des ventes, tous arrachés direct. J'ai pas trop compris non plus ça. Euh, en tout cas, il n'y en avait plus de disponibles sur les, les sites en ligne. Il devait sûrement rester encore dans des boutiques en France, bien entendu. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur Team Phoenix parce que comme il n'y a qu'un volume et, et euh, l'histoire, elle est un peu un peu bidon. Hein, C'est le truc robotique qui, euh, euh, enfin, je sais plus, je s'appelle, euh, qui, enfin, qui qui domine le truc et ils veulent retourner ça et, euh, et du coup ils vont faire une, une rébellion. Donc on est sur un scénario assez assez euh, classique. Je pense qu'il faudra vraiment se faire une idée sur l'ensemble. Et pas seulement sur, euh, sur un volume là, là pour l'instant, c'est à voir ce que ça va donner. Et là, on arrive donc au dernier. Euh, donc c'est bon, il va rester un petit quart d'heure pour les achats, ça va être cool. C'est celui-ci. Alors je vais pas y passer 100 ans parce que j'en ai parlé dans mon live sur Takama, puisqu'en fait je l'ai relu bien sûr pour le live, mais je l'avais pas présenté en lecture. Je vais juste le mentionner. Donc adaptation du... Euh, euh, du roman de Marguerite Duras. Ça va vraiment s'adresser à un public fan de l'autrice. Et, euh, et en plus, c'est dans un format très BD. Je vais vous montrer quelques planches rapidement. Mais c'est un format très BD. Alors, il y a pareil, il y a des trucs érotiques dedans. On va éviter de les montrer. Et bien sûr, je tombe dessus. Encore Encore Non. Non, là, ça va. Donc là, ça va. Vous voyez, hein, c'est un format extrêmement BD. Hein, là, euh... découpage. À... Euh, non. Ouais. Désolé, mais il y a de la nudité à Google. Euh, donc je, je vous renvoie ça vers mon autre live. Ça ne sert à rien que je vous refasse un, un truc complet. Mais j'en parle longuement sur le live de Takahama. Ça suffit, euh, euh, ça suffit pour, euh, pour là. Il y a une vidéo dédiée. Alors qu'est-ce que j'ai acheté mais que je n'ai pas lu Parce que j'ai beaucoup acheté. Malgré tout, je ne pensais pas avoir acheté autant ce mois-ci. Et, et là, ça va aller un peu vite. Donc le premier... Je l'ai montré tout à l'heure en début de live pour ce qui était là, c'est WOMS. Donc WOMS, euh, je n'ai lu zéro volume. Il y a cinq volumes, j'attends qu'il y ait l'intégrale. J'achète parce que Max m'a dit que c'était super bien. Euh, donc bah, du coup, comme j'ai envie de découvrir un peu des œuvres de SF euh, avec des, des autrices pour changer un peu, euh, bah, du coup, voilà, je me suis pris. Donc je vous ferai un retour quand j'aurai lu les cinq, l'intégrale. Mais j'ai acheté ça ensuite j'ai acheté la suite Si Max a dit alors hein, voilà on fait confiance hein. on fait confiance ensuite j'ai acheté euh, la suite de Welcome to the Ballroom alors il faut savoir que j'avais euh, déjà Subaru je l'ai dans ma collection mais c'est pas une série moi qui m'a transcendé euh, clairement pas j'ai lu le premier volume de Welcome to the Ballroom c'était sympathique c'était euh, cool à lire c'est pas euh, la série euh, coup de cœur euh, à mort mais je me suis dit bon, on va lui donner euh, un peu plus de chance dans le sens où je vais euh, acheter deux volumes de suite à la suite. Mais typiquement, je pense, c'est peut-être une série si j'accroche pas plus que ça, dans le sens où c'est sympa à lire, mais c'est pas pas spécialement euh, ma tasse de thé. Peut-être que la thématique, c'est tout simplement pas un truc qui m'intéresse le plus. Mais du coup, voilà, j'ai acheté la suite. Alors il faut savoir que je n'ai pas eu la carte pour pouvoir danser à Paris. Et là, j'avais droit à une carte signée. Et ben voilà, elle n'est pas signée la carte. Voilà. Moi, ils m'ont dit qu'il y avait une carte signée à l'intérieur. Et je me suis fait avoir. Donc je n'ai pas la carte signée. Vous voyez mon visage triste, je l'ai acheté que pour ça. Donc voilà, donc ça c'est bon. Je te rachète Subaru. Je vais déjà les relire, Subaru, avant de les revendre. Voilà, et puis ensuite je vous les revendrai 8999 dollars. Voilà. Ensuite j'ai acheté un autre Noévé, qui est celui-ci. Qui reconnaît la carte Qui sont les vrais fans Noévé là Qui se, qui se dénoncent J'aime bien leur petite carte. Bon, je ne vais pas faire de teasing plus longtemps. C'est la suite de Don't Call It Mystery. J'ai déjà lu les deux premiers, c'est génial, Tamura, Voilà. Et euh, Et euh, du coup, euh, yeah, one il a trouvé direct. Et du coup, euh, euh, j'ai hâte de lire la suite, tout simplement. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des huis clos, euh, des enquêtes et tout, génial. Donc, euh, ça, c'est trop, trop bien. Et euh, typiquement, je... je... Bon, je suis content de les avoir, hein, mais euh, typiquement, je vais regretter parce que ça va faire 3 millions de volumes, hein, et j'ai pas la place. Donc euh, voilà, Tamura, euh, arrête, arrête avec les séries longues. Sinon, j'ai acheté un livre sans cartes, c'est beaucoup plus fade, euh, du coup. Oui, tout le monde m'a dit que le 3 était top, il hein, était vraiment encore mieux que les deux premiers, donc euh, je vais me régaler. Donc du coup, un manga sans cartes, euh, comme je disais, c'est moins bien, mais euh, voilà. C'est pas grave, le manga en lui-même, il est cool. Donne-moi tes Kabuden, ça fera de la place. Merci Owen, mais mes Kabuden, jamais. Jamais. Destination Terra. J'avais déjà lu la version anglaise, donc je connais. Et j'attendais d'avoir les trois en version française pour me les relire, parce que la trad anglaise était quand même un peu ardue pour moi. Elle était un peu... Elle euh, n'était pas du niveau, euh, niveau débutant. Donc du coup... Euh, j'ai acheté le 3, donc je pourrais le lire. Après, qu'est-ce que j'ai acheté Je me suis mis à jour sur ça, Jojo. Donc, une des, des longues séries que je continue à faire, parce que je les ai tous. Euh, pareil, un Jojo, honnêtement, euh, je suis content, je les ai en papier, mais je, je, je suis sûr que quand je vais les relire, il y a des chances que je les relise sur ma tablette ou un truc comme ça. quoi. Donc, euh, euh, parce que grand format, parce que plus de confort, euh, etc. etc. Mais c'est pas grave, je continue à les acheter, à continuer à faire ma, ma collection. Et donc Jojo Lyon, j'aimerais bien les lire, mais il y a, y, a, y, a, y a, je sais plus, il y a 30 volumes, un truc comme ça, ou 29 volumes. Euh, et Tonkam les sort euh, un volume tous les 6 mois, à peu près. Et je pense que euh, je pense que euh, je vais les comment dire euh, je, je vais les lire avant et les lire en anglais et puis ça, ça, ça sera réglé. Oui, je fais beaucoup de séries qui sont en numérique, effectivement. Il y a les séries que je pourrais tout à fait euh, acheter en numérique, mais que j'ai commencé il y a longtemps, donc pour l'instant, je les continue. Et après, il y a quelques séries, j'apprécie de les acheter en, en papier pour le moment. Et, euh, et voilà. Euh, les Intercalaires Collector, mais de quoi, One Que je n'ai pas, sinon. Euh, le suivant, j'ai acheté du coup. Non, je ne les ai pas les, les Intercalaires Collectors, ça ne m'intéressait pas. Je n'avais pas envie de les acheter, j'en ferais rien. Donc j'ai laissé ça aux, aux gens qui voulaient absolument avoir leur, leur collector. J'ai acheté le volume 2 de, de Dororo. Hein. Bon, vous savez, j'ai déjà l'ancienne édition. Euh, donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai juste lu le dossier de fin. parce qu'une petite surprise dedans, c'est que à la fin, il y a donc la même personne, qui est Xavier euh, Hébert, si je ne me trompe pas. Je vais juste vérifier que je ne dise pas de bêtises. Bon, ça, ça pose face Tezuka. Voilà, Xavier Hébert, qui euh, fait justement euh, un texte à la fin. Euh, et, euh, et du coup, dans ce texte-là, euh, ben, c'était intéressé parce que lui, il est, il est assez expert de, euh, de Tezuka. Il a fait des super dossiers dans les mangas de Isan. Euh, parce que c'est vrai que Hisan, bon, on peut, on, peut, on peut râler sur leur politique tarifaire. Par contre les dossiers qui à la fin euh, commandés sont vraiment excellents. Et bien là il a fait le même dossier pour Dororo. et vous le savez, j'ai fait deux vidéos sur Dororo. donc j'étais très intéressé de savoir ce qu'il allait raconter. Et de manière générale, euh, mais au final j'étais très content en fait de, du travail que j'ai pu faire parce que on va dire 80% de, de ce que j'ai pu euh, euh, trouver en termes de, de recherche c'est correspondre à ma vidéo donc euh, enfin, à mes vidéos. Euh, alors, il, a, il a quand même quelques détails supplémentaires que je n'avais pas, notamment euh, euh, quelques anecdotes que, à part, euh, à part le lire dans un magazine japonais, c'est un peu compliqué. Euh, donc ça c'était cool, j'ai appris encore quelques petits trucs. Mais il n'a pas développé euh, les adaptations, il est vraiment resté très succinct. Euh, moi j'ai beaucoup plus développé cette partie-là, euh, qui n'a pas fait. Donc euh, les... je suis content, j'ai appris des nouvelles choses, mais de manière générale la base était là. Donc je suis assez content de mon travail. Donc voilà, je, je m'envoie des fleurs euh, parce que ça me fait plaisir. Non voilà, donc euh, qu'il a lu le Dororo numéro, euh, numéro 2 Parce que comme je vous disais, la fin, euh, la fin est un peu particulière. Elle est assez euh, est assez rapide. Mais, euh, mais ça reste euh, une, une bonne fin. Bon, je trouve c'est une bonne fin. Alors, manga suivant. Alors, c'est un Manouwa. Un manga coréen. Et je l'ai enfin acheté. Maintenant, il faut que je le lise. Et c'est le goût du kimchi. J'avais adoré l'histoire d'un couple. Et là, bah, avec le goût du kimchi, je vais pouvoir euh, lire. Euh, ça craque dans tous les sens. Euh, lire euh, la suite. Enfin, la suite, ou du moins, euh, une autre histoire de, 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 de cet auteur. Et voilà. Donc, c'est réglé. Euh, donc, je suis content de l'avoir et je vais le je vais lire. Ensuite, j'ai acheté un manga en anglais qui est F F de Imai Arata euh, donc ça c'est en fait je l'ai acheté je l'ai acheté parce que c'est euh, je vous en ai déjà parlé c'est Ryan Holmberg euh, qui est un universitaire euh, qui travaille sur les magazines Garo etc qui est spécialisé là dedans qui à chaque fois mais, des niches en fait des des, des pans euh, du manga euh, de cette époque là et le dessin vous allez voir hein, il est très particulier euh, et, qui est, euh, et qui propose enfin, à la fin de, de, du livre, chaque fois, un dossier euh, complet qui reexplique euh, l'importance de cette œuvre, ou l'importance, oui, le dossier est super long, euh, ou, et l'importance de, de cet auteur. Euh, et souvent, bah, on apprend énormément de choses euh, à l'intérieur. Donc ça, quand il y a le tampon euh, Ryan Olberg, j'achète sans réfléchir. Et tout à fait, hein, ça pourrait tout à fait sortir chez les armoires. Euh, il, avait, il a sorti pas mal de titres hein, déjà. Moi, j'en ai, ai un paquet de lui. Euh, et donc, du coup, à chaque fois qu'il sort, j'achète. Ça fait partie de, des, des trucs, je réfléchis pas. Tampon, Réanolberg, euh, allez, je prends. Euh, voilà. Alors, sachant que bien sûr, c'est toujours des livres, vous les payez euh, 25-30 balles, hein, pièce, parce que ben, entre l'import, euh, etc., ça, ça, c'est vite cher. Alors, un que j'ai acheté, j'ai acheté le volume 1, mais je vais attendre le volume 2 pour, pour le lire. Euh, c'est du lézard noir et c'est celui-ci. Dernier ferry pour le succès qui a l'air d'être une, une la croisière s'amuse <laughs> en version barrée. Euh, ça a l'air un peu euh, bien débile. Comme c'est en deux volumes, je l'ai tenté. Voilà, je l'ai tenté. Euh, je ne sais pas si ça sera bien ou pas euh, parce que l'humour c'est toujours euh, spécial. Hein. Mais quand je vois la tête des personnages et tout, ça a l'air euh, bien débile et donc du coup euh, bonne nuit à toi uh, Toon. on voilà, a presque fini de toute façon et, euh, et donc voilà je me suis dit bon allez en deux volumes je tente euh, ça ça va pas me ruiner et, euh, et voilà donc si c'est pas bien tant pis c'est pas grave donc je verrai si je lis le premier avant de lire le, le deuxième donc ça ça va ça va dépendre vraiment euh, de ma motivation ou du temps euh, mais voilà en tout cas ça a l'air rigolo j'aime bien ces têtes là qui, qui font c'est toujours euh, Toujours exagéré, ça a l'air très drôle. Euh, donc voilà, donc ça c'est un peu euh, du hasard, hein, du hasard total. J'ai acheté aussi celui-ci, euh, Junji Ito, un nouveau Junji Ito, Déserteur. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je ne l'ai jamais lu celui-ci. Enfin, ou alors si je l'ai lu, parce qu'en fait ai, normalement j'ai lu tout Junji Ito, euh, et je vois que c'est des vieilles histoires de Junji Ito. Ah non, si, je les ai lus, ceux-là. Si, si, je les, je les ai lus euh, euh, en anglais. Et euh, effectivement, c'est vraiment des vieilles, vieilles histoires de Junji à son début de carrière. Et on le voit au dessin, hein, il est beaucoup moins... Euh, ça fait penser au premier épisode de Tomie. Hein. Il est beaucoup moins euh, perfectionné qu'aujourd'hui. Qu Et euh, voilà, donc euh, j'aime beaucoup Junji Ito. Et euh, du coup, je, je complète ma collection avec les nouvelles éditions. Voilà, et comme j'ai déjà tout acheté chez Vise, puisque les éditeurs français ont mis beaucoup de temps à les ressortir, ben je continue ma collection chez Vise en fait. Et après, euh, qu'est-ce qu'on a euh, On a ça. Donc c'est l'avant-dernier. <laughs> c'est du Yokohama. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Euh, parce que c'est des livres qui sont un peu chers. J'aime bien cet auteur, mais pas au point de collectionner absolument tout ce qu'il a, puisqu'il a quand même un style très très personnel. Il joue beaucoup sur les onomatopées, avec le son, etc. Donc c'est assez spécial, c'est très cubique, c'est très rond. Euh, voilà, c'est des formes euh, très primaires qu'il utilise. Et euh, j'avais l'opportunité de l'acheter euh, à moitié prix. Je me suis dit, bah, allez, je vais le prendre. Et, euh, et ça en fera un de plus pour ma collection. Donc voilà. Et le dernier, je l'ai acheté euh, sur un peu comme ça, l'arrache. Parce que j'ai lu un tweet, euh, je ne sais plus de qui, euh, qui disait Ce manga est affreux. Euh, c'est euh, de la pédophilie, c'est du machin, c'est si, c'est mi. Et je me suis dit Ah, un manga malaisant Trop bien Donc du coup, je l'ai commandé. Et ce manga c'est... Attendez, je vais enlever l'étiquette de Momox parce que je l'ai commandé sur Momox. Parce que c'est un livre qui ne se trouve plus aujourd'hui, hein, de toute façon. Hop Ah l'étiquette de Momox, il se déchire, c'est bien ça J'aime les étiquettes. Bon tant pis, je vais l'enlever comme ça. C'est genre Nada. Je ne connaissais pas du tout. Je vais passer totalement à côté de ce titre. Euh, pourtant, la couverture est quand même assez, euh, assez particulière. Euh, le trait aussi, ça aurait dû me m'attirer, mais euh, je suis passé à côté, je l'ai pas vu celui-ci. Donc voilà, donc je vous le dirai, je, je ferai un retour, voir si c'est vrai. À la fin, c'est cru, il y a des scènes très crues, donc euh, on verra, euh, on verra ce que ça raconte. Donc euh, manga malaisant, très certainement, on, on verra ça un peu plus tard. Euh, ben voilà, je, on, a, on est arrivé au bout. Je vous avais dit, il y avait beaucoup de, de titres. Hein. J'ai quasiment passé euh, 1h45 là à vous parler des lectures et des achats. Les achats, ça va plus vite parce que je vous montre, hein, surtout, c'est quand même plus, euh, plus tranquille. Et, euh, et je ne vous raconte pas le nombre de livres qu'il y a autour de moi maintenant parce que j'ai rien rangé de tout ce que j'ai sorti. Je vais passer une demi-heure à ranger le truc, je pense. Donc euh, ben là, on a, on, je pense qu'on arrive à la fin. Euh, je vous remets. Euh, rapidement, elle attaque la partie Tezuka. Je pense qu'on va attendre pour la prochaine fois Tezuka. C'est bon. Pour une fois, on n'a a pas trop parlé. Hein, euh, je suis resté euh, plus calme. Euh, pour rappel, euh, y a, je vous remets mon lien. Il y a le Patreon si vous voulez soutenir la chaîne avec du contenu exclusif. Euh, donc n'hésitez pas. Il y a les liens affiliés si vous souhaitez, euh, pareil, contribuer à la chaîne de, de manière euh, indirecte. Et bien sûr, il y a bah, tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Euh, tout ça, ça, ça fonctionne. En tout cas, je vous remercie vraiment tout le monde d'être euh, présent quasiment à chaque fois euh, pour mes lives et de rester, euh, de rester longtemps. Ça fait plaisir à chaque fois. Il y a, il y a souvent une, 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 en moyenne une vingtaine de personnes là qui, qui sont là. Et donc, c'est super cool de, de faire des lives avec du, avec du monde et de prendre, prendre le temps avec moi de, de faire ça. Donc, merci à vous d'être là et merci d'animer le chat et de, de, de sortir des petites blagues. Voilà, on passe un, un bon moment. Le prochain live, ça sera euh, pas dans deux semaines, parce que dans deux semaines, il y a Angoulême. Pensez que pour Angoulême, je risque de faire euh, soit sur Instagram, soit sur Twitter, soit les deux. Je ne sais pas, euh, de, sûrement un petit peu de live comment. Je ne pense pas faire des vlogs avec des vidéos parce que je ne suis pas vlogueur du tout. Et à chaque fois, j'ai la ridicule. Mais par contre, peut-être des petites photos avec des petits commentaires, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram euh, euh, pour ça. Et effectivement, ceux qui seront à Angoulême, ça sera avec plaisir de se, de se rencontrer. Donc, ça sera l'occasion. En plus, cette année, je pense qu'il y aura un petit peu moins d'activité par rapport aux, aux années précédentes. Donc, ça, je vais moins courir, donc avoir sûrement un peu plus de temps. En tout cas, j'y serai les trois jours, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, après, je rentre parce que j'ai 6 heures de train. Euh, et sinon, euh, je réfléchis. Oui, du coup, le live ne sera pas dans deux semaines, c'est-à-dire ne sera pas... Le 16, mais je vais le décaler donc au 23 mars, une semaine après, exceptionnellement, et on explorera ma mangatech. Cette fois, ça, il n'y aura pas de questions, ça sera directement. et Je vous montrerai pareil les livres que j'ai dans ma mangatech et je vous en parlerai euh, derrière. Et on prendra le temps et ce sera l'occasion de découvrir peut-être des titres euh, que vous connaissez moins euh, de ce côté-là euh, ou des belles surprises, un peu comme euh, on l'a parlé tout à l'heure de Je suis Shingo, euh, etc. Mais voilà, c'est cool, je, je suis content. On est arrivé à 11h30, euh, c'est la fin. Donc, euh, donc euh, pile poil euh, à l'heure, vous allez pouvoir dormir. Merci encore, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous dis à très bientôt et on se voit soit en Goulême, soit dans trois semaines pour le prochain live. À plus